Voilà, donc je vais un peu m'excuser à mes abonnés comme à ceux qui sont abonnés sur la chaîne de Maman Trésor. Mm-hmm. En fait, le problème c'est quoi? Sur mon téléphone, j'avais oublié de mettre sur mode avion. Alors j'ai des appels qui sont en train d'entrer. Je vais demander à mes contacts, à mes Batunanga, arrêtez un peu s'il vous plaît de m'appeler. Donnez-moi le temps, même s'il est en live, parce qu'à chaque fois que vous appelez, ils ont quatre images. Voilà. Ils ont quatre images. Et je pense qu'il y a des gens qui veulent pas seulement entendre ce que j'ai à dire, mais qui aimeront quand même me voir aussi. Ouais, mais je n'avais pas fini avec l'histoire de Vincent et tout. L'histoire, il y a qu'on publie ma photo, il y a qu'on publie ma photo. Non, au commissaire Bissouana, et puis au expliquer Bissou que les alliés au thème de Bissou qui est entre Enis, Diane Sarah, des ça qui est Enis, Diane Sarah, et moi, je n'étais même pas dans tout ça. J'ai subi des bêtises de la part de Enis, Diane et Mike. Et puis le monde, comme il ne savait pas que Mike s'était remis avec Enis, par Mumbalamoko, ils se sont dit que publié. C'est Peignet qui a publié, c'est Peignet qui a mis. Dans les autorités, vous n'avez jamais vu sur ma chaîne YouTube, ni sur mon compte Instagram mettre ces photos-là. Mais j'ai été poser une question sur une question-réponse, je crois que c'était en mars 2018. 19 mars 2019, où quelqu'un m'a posé la question, ah, apparemment, ton mec est passé sur une émission, il a dit que photo, quand on est avec d'autres femmes, c'est des photos montées. C'est vrai ou faux? Je faisais une série questions-réponses. Et comme moi, j'ai dit tout à l'heure, dans quoi ça m'a raté? Parce que je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit, à part Dieu. À part Dieu. Soyez n'aimé qu'il y a un autre temps pour la n'ingé, n'zambalingi. Que je dise la vérité, que je ne dise absolument rien. Moi, en tout cas, je trouve que ça dépend seulement de mon jugement, des faits que je ressens d'un moment à un autre, s'il y a d'autres choses que je vais rectifier ou pas. Alors, j'ai été posé cette question. J'ai dit non, c'était pas faux, c'était pas des photos montées, ce sont des photos vraies. Le mec a commis une erreur. Je pense que si les gens ne se rappellent pas, n'a pas chaîne YouTube, n'a pas page, n'a pas blogueur, n'a pas blogueuse, vous allez trouver cette réponse. J'ai dit oui, c'était lui. C'était lui, il a commis une erreur. On a pardonné et on est passé. C'est tout. Mais pour l'infidélité, maman, ceux qui m'ont battu, non, malgré Nyon Sorana, pendant tout ce temps, vous avez un mariage ensemble, Abimana et Nice, Abimana, Diane Sarah, pour l'infidélité, Yaya, maman, a eu la papa, nous, bah, ou meli na mariage. Tu penses que Zaki Kaba Rose et Zalaki, bah, parents, n'a biso, bah, fanda na mabala, au monde, à qui am sous, papa, bimiatana, bon, bien salibo, est-ce qu'infidélité, y'a moué poussé, yo, oh, boy, y'a mobali, na yo, bosa, non, bah, jaune, bozo, bota, tu préfères encore, si, kalana, banami, balé, na maboko, oh, boy, si c'était le cas, si j'étais partie à cause de l'infidélité, je devais partir en 2015. Voilà pourquoi je vous ai demandé de retenir un peu la date de 2015. Okay. Et de retenir pourquoi j'ai dit que je me suis inscrite pour la première fois pour mes études en 2015. Je vais revenir à ça. Si je devais quitter pour l'infidélité, j'allais partir en fin 2017. Quand j'ai appris que Mike sortait avec sa musicienne Joël, quand j'ai eu à confirmer avec des preuves que Joël avait ramassé à Mike, et à part ça, Mike a 27 et pas dans un bar où il était dans catégorie que Joël faut qu'à la nana bisou, je sais pas ce qui n'a ce qui nous doit, ce qui avec le mot, ce qui n'a évité bien ce qui le fait d'être seulement bête. J'attendais d'avoir des preuves tangibles avant de prendre une décision quelconque parce que je me suis dit c'est quelque chose de tellement lourd. Il y a quoi l'oba, il y a quoi accuser, Moutou, que non, tu sors avec ta musicienne. Surtout que, bah, moumi, bah, allez, bah, zoyembe, lanzambe, et tout ça, bah, en un groupe, il y a Shekina, et tout ça, je me suis dit, je ne veux pas être une occasion de chute pour cet orchestre. Alors, non, c'est la temps, on en a pas preuve. Si c'était le cas, si c'était pour l'infidélité, j'allais quitter en 2015. Si c'était pour l'infidélité, j'allais quitter en 2017. Je ne suis pas partie pour l'infidélité. On va revenir à la raison pour laquelle je suis partie. Mais j'aimerais qu'on plutôt visiter 2015. 2015, Shaddai, j'ai quitté l'Angola en décembre 2014 pour les États-Unis. On était en Angola parce que Mike avait une tournée en Angola. J'ai quitté l'Angola pour descendre aux États-Unis pour la naissance de Shaddai. Quand je suis descendue aux États-Unis, Mike a eu à me suivre, je crois, en février parce que Shaddai est né en mars. Et tout,
Et quand on est descendu en 2015, comme c'était la toute première fois qu'on allait être aux États-Unis pour une longue période, toi qui peux que coûte sa paix, demande à Mukamba et à Mike. Parce qu'avant 2015, Mike entrait toujours aux États-Unis avec un visa. Voilà. À voir qu'on a Mukamba, t'es à résidence aux États-Unis et tout ça. Parce que après le mariage, en 2013, on est parti directement au Congo. Voilà. Direct. Et 2014, on n'est pas redescendu aux États-Unis. Tant que Mukamba quitte en 2015, c'est comme Mike a quitté ça à Mukamba naé. Et comme on était aux États-Unis pendant une longue période, mm-hmm. non seulement parce que j'étais, je venais d'accoucher, j'avais besoin de temps de repos, il y a maternité et tout ça, t'as profité, paix, Mike a ça à Mukamba naé et tout. Alors on était tous obligés de rester aux États-Unis parce que pour ceux qui savent, n'ayez ma kamango, il y a États-Unis, il y a Mukamba et ça, et Makaye Marchaka. Quand tu entres, tant au côté sera dément, tu ne peux pas sortir avant que tu n'aies une réponse de la part de avant que tu n'aies une réponse de la part de l'immigration. Voilà. Alors c'est comme ça que tu vas qu'aux États-Unis pendant une longue période. Alors quand on était aux États-Unis là, on a voté la bouchée, la beauté en mars, le 8 mars 2015. Mm-hmm. Dans j'ai ma soeur cousine. Comme j'ai dit tout à l'heure, na kotanga ba kombo. Ok. Pour remettre au la vérité, voilà. Je cite le nom. Mm-hmm. La situation, c'était qui, c'était quoi. Non, je cite le nom. Mm-hmm. En 2015, quand je viens mettre au monde, aux États-Unis, comme on ne fréquentait pas vraiment les États-Unis après notre mariage, quand on venait, on restait chez nos parents, chez papa Roger Chimanga et maman Aline Chimanga, ici à Dallas. On restait chez eux. Parce qu'on ne pensait pas aussi qu'on allait, on n'avait jamais un projet long terme de vivre aux États-Unis. Mm-hmm. Alors, quand on est descendu aux États-Unis, on était chez nos parents, comme je disais, papa Roger et maman Aline. Il y a ma cousine, ma soeur, je peux mm-hmm. dire, je l'appelle cousine, pour que vous compreniez, parce que les gens connaissent mes soeurs de sang. J'ai trois petites soeurs, mm-hmm. Anna, Jevin, Joyce. Mais j'ai grandi aussi avec deux grandes sœurs, mm-hmm. les nièces à mon papa, mes cousines paternelles, voilà. Que j'appelle mes sœurs. Bon, il y a une que j'appelle ma sœur, l'autre je ne l'appelle plus ma sœur, je ne l'appelle plus ma cousine, je ne l'appelle absolument plus rien. Mm-hmm. Vous allez comprendre pourquoi. Et en 2015, là, quand mes petites sœurs étaient encore mineures, et ils étaient encore à la maison, moi j'étais chez nos parents avec Mike, je suis papa Roger, maman Aline, comme j'ai cité tout à l'heure. Mm-hmm. Il y a ma cousine, Grace, qui a dit, oh non, comme tu viens d'accoucher et tout, demande un peu à maman Aline et papa Roger si je peux venir t'aider. N'est-ce pas dans le Congo, au potin, mais qu'on a un peu à Sungio, et tout ça pour que tu dormes, pour que tu te reposes, et tout ça pour ma campus. Bien sûr que j'étais chez mes parents, mais États-Unis, les États-Unis, c'est pas comme en Afrique, hein, on n'a pas des bonnes. On n'a pas de domestique, on n'a pas de quoi ça. Donc ma marraine devait aller au travail, elle avait fait ce qu'elle pouvait faire, elle était présente, elle aidait beaucoup, mais elle avait aussi ses enfants. Elle a ses enfants, elle a son mari, elle a son foyer, elle a sa maison, elle a son boulot. Donc elle ne pouvait pas être complètement là pour moi. Mm-hmm. Alors ma marraine m'a dit, oh oui, ta soeur peut venir, comme il y avait plusieurs chambres des visiteurs. Mm-hmm. Elle dit, non, il n'y a pas de problème, comme vous êtes là, ta soeur est la bienvenue, c'est ta famille, elle est la bienvenue. Ça c'est la marraine qui parle. Alors, grâce est venue, tout ça, et tout ça, tant que ma cambouille a mis un an au pays et a fait qu'évoluer et tout, j'allais faire polymoukier et tout, Mike a eu à appliquer pour quelque chose qui s'appelait parole document et tout, il commençait à faire quelques sauts, va et vient, ma Kinshasa, mon canal en est venu m'acquitter, mais il y avait un travel document et parole document qui lui permettait de faire des voyages, c'était mm-hmm. comme un visa prolongé de multiples entrées pour les États-Unis, mm-hmm. Jusqu'à ce que Mukamba naye bima. Alors, c'était en novembre 2015. Voilà. Grâce à Sazunaki et Panadango, mm-hmm. parce que Shadai a Kulaki quand même, c'était en novembre 2015. Bah, au Bavanda Dallas, Baebi. Mm-hmm. Bon, Baebi peut-être les solotés, mais Baebi quand même, Babilo Bonazo Binita. Novembre 2015, c'est quand maman Lydia, frère Michel Bakenda, et papa Henri Moulaja, que j'aime bien, que je salue, Bayaka, aux États-Unis, Bayaka à Dallas, et ils ont voulu faire comme un concert en commun. Mm-hmm. Et Mike était une invitée spéciale. Alors, c'était un concert où te bêler, rien qui m'aide, quoi. Mm-hmm. Et puis, je crois que le droit d'entrée était un tout petit peu élevé, ce qui pouvait se comprendre, parce qu'il y avait quatre grandes têtes de la musique chrétienne congolaise voilà. qui allaient prester.
Je me rappelle ce jour-là, c'était mon dernier jour. Je m'excuse. Je me rappelle ce jour-là, c'était mon dernier jour, mon dernier examen à l'école. Comme j'avais dit, j'avais repris aussi avec mes études en 2015. Ok, septembre 2015, c'est quand j'avais repris avec mes études parce qu'on attendait une candidature à Maïkébima. Alors je me disais, si je ne travaille pas, que je m'inscrive au moins à l'école. Là, ça est le moment où on a évolué dans le temps en anglais. Alors je me suis inscrite plutôt, j'ai pris 4 cours. Et je faisais mon dernier examen ce jour-là, le jour du concert, qui était aussi un samedi. Samedi à l'université. Alors, Grace m'avait appelé ce matin-là. Ta soeur. Grace, ma soeur, celle qui était venue m'aider avec Shada, était en Shada et Botanek. Est-ce que vous avez grandi ensemble, toi et Bekana Kimkolo? Non, on a grandi ensemble. Au fait, la relation est comment? Grace, son papa, c'est le grand frère cousin de mon père. Voilà. Quand nous, on est venus aux États-Unis, mon père a vendu son abattoir aux États-Unis et il s'est fait que Grace est venue aux États-Unis par canal de mon père. Voilà. Alors Grace, comme sa famille était restée au Congo, Grace a atterri chez notre oncle, tonton Jules et notre tante maman Mélanie que je salue, que j'aime bien. Elle a atterri chez eux et comme là-bas, Grace avait demandé à ce que moi et Vanessa, l'autre cousine avec laquelle j'ai grandi, ma soeur Vanessa, si on pouvait parler avec ma mère, Vivine, que je salue, ma copine, Nana Kati, si elle pouvait venir rester chez nous, chez mon père, chez nous, à la maison. Ça, c'était avant le mariage. Avant le mariage, je pouvais avoir 13 ans, 14 ans, quelque chose comme ça. Grâce, maman a accepté, bien sûr. Et non, Azanias Nana, vous avez un bafi, vous avez un lipé, vous avez un bafi, ensemble. Grâce, à l'oué papa Jules, à l'oué papa Nanda. Donc, j'ai grandi avec Grâce comme ma soeur. Je grandis avec elle. Donc, tout ce que ma mère faisait pour moi, elle faisait pour Grace. Parce que les parents de Grace et les parents de Vanessa n'étaient pas aux États-Unis. Ils étaient au Congo. Donc, ma mère nous a élevés comme ses filles. Ensemble, je dis bien tout ce que j'avais, Vanessa avait, tout ce que j'avais, Grace avait. L'amour et l'affection que ma mère avait pour moi étaient le même amour et la même affection que ma mère avait pour Grace et pour Vanessa également. Voilà. Alors, Grace... elle a dit, oh non, c'est comment programme Nabino, parce que j'aimerais partir au concert, mais normalement, au foot, tu as le droit d'entraîner. Ce qui n'a pas Nabino, ma côté Nabino, au foot, il s'arrête. Je lui ai dit, ah, il n'y a pas de problème, il y a qu'un Nayo, mais comme nous, on va quitter le concert, apparemment, on va commencer à 18h, plus autre au long, à 17h, soit là au plus tard, 16h. Elle fait, oh, mais aussi que le programme n'a pas été voilà, il était encore matin, il était, je crois, 9h. Je lui ai dit, non, moi, je m'apprête maintenant. Je pars faire mon dernier examen à l'université. Et puis, je pense que plus tard, 11h midi, je serai de retour à la maison. Je vais apprêter Shadai. Je vais faire ce que je dois faire pour Mike et tout. Et puis, Tolongé, 17h. Elle m'a dit, maintenant, tu penses faire quoi avec Shadai? Parce que Mike aussi devait sortir à Kendosa Soundcheck. Il y a concert. Et ma marraine était au travail. S'il vous plaît, retenez les détails. Voilà. Ma marraine était au travail. Mon parrain aussi était au travail. Donc, c'était seulement Mike et Shadai. Alors, j'ai dit quoi? Non, je vais aller déposer Shadai chez ma tata Moissi, qui n'était non loin de là où on restait. Chez ma tata Moissi, Tantinani, que je salue aussi, la petite soeur cadette de mon papa. Ma mère n'était pas là-bas. Oh, pourquoi tu n'es pas allé les laisser chez ta mère? Ma mère n'était pas aux États-Unis, elle était au Congo. Ah, voilà, j'ai... un peu régulièrement, elle n'était pas là, alors je devais aller le déposer chez ma tante. Et c'est comme ça que Grace a dit, au lieu, au Kumba, mini mini, au Kenyogotik, à Shadai, comme Shadai, c'est à Messanananga et tout, que je vienne un peu tôt à la maison et que je m'occupe de Shadai. Comme ça, quand toi, tu vas revenir de l'université, au Kouta, à Shadai, c'est à Bungami, Shadai, c'est déjà prêt, toi, tu auras juste à préparer, faire ce qu'il faudra que tu fasses pour Mike et t'apprêter toi-même. Et moi, je suis dans Anacine à Bungami, donc je serai là à m'occuper de Shadai. Voilà. J'ai dit, ok, ça marche. Aucune arrière-pensée, c'est ma soeur. Aucune arrière-pensée. Bon, dans quelle classe? Examen mon père, dans quel examen mon père, quand même facile. Dans quelle classe, dans combien de temps, 9h30, 9h45, quelque chose comme ça. Dans quelle classe, il fait 10h15. Dans quelle classe, il fait 10h15. Notre professeur nous a dit que quand il y a un examen à Souka, il y a un semestre, dès que tu finis ton examen, tu peux rentrer. Grâce à ce que j'allais rentrer à la maison vers 11h, 12h. Je suis descendue chez moi à la maison, 10h45, 10h30, 10h45. Moi, en compte,
je vois Grâce qui sort avec ses affaires. Donc, pour les cannes, il apporte. Je posais à Grâce la question, oh, Mamboui, tu pars où? Elle fait, oh non, j'ai eu un appel d'urgence et tout, 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 tout. Je pars, je rejoins la personne, mais ma cousine, avant 16h, potoki concert. Elle dit, ah ok, pas de problème, aucune arrière-pensée, nothing. J'entre dans la maison, je trouve que l'atmosphère était horrible. Horrible, une autre chose qui m'a choquée, j'ai vu ma marraine. Je vous ai dit tout à l'heure, retenez les détails. Ce jour-là, ma marraine était au travail. Mm-hmm. Et ma marraine devait finir le travail à 14h. Mm-hmm. Elle travaillait de 6h à 14h. J'ai vu ma marraine. Désolée. I'm not crying. Yeah. C'est un peu, maintenant quand j'y pense, c'est bon, on se met seulement à rigoler, hein, parce que en tout cas moi je pleurais, Naolela est soutée pour cette dame, je pleurais plus. Alors j'ai vu ma marraine qui était assise au salon et n'arrivait même pas à me fixer le regard. Elle avait des larmes aux yeux, elle pleurait et tout. Et sa fille aînée, Roline, me regardait, elle me regardait, maman, il y a son ami sous. Et puis Olivia, la deuxième de maman Aline et papa, regarde moi, cassa, elle est courageuse, très intelligente, une fille tellement, tellement bien avec beaucoup d'énergie. Mais Olivia Pembe, Olivia Moutunanga, Olivia Pembe, parce que je n'avais pas encore vu Mike. Mm-hmm. Quand je suis entrée dans la maison, dans la porte, j'ai vu la marraine au salon, je n'ai pas vu mon parrain. Il est dans sa chambre, il était là aussi, mais il était dans sa chambre parce que je l'avais entendu au téléphone en train de parler. J'ai vu juste les enfants. Ma belle Olivia, Olivia, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, oh, il y a Peigné, je comprends rien. Hein. Je comprends rien, mais apparemment, il y a Mike et il y a Grâce are in trouble. Parce que maman est montée, elle est venue brusquement du travail, elle est en train de crier, maman est fâchée. Je crois qu'il y a Mike et il y a Grâce, il est en train de se chamailler. Tu vois, la réflexion d'un enfant. Oui. J'ai dit, ok. Je regardais ma marraine. Je dis, maman, Lina, est-ce qu'on peut parler? Elle m'a regardé, elle dit, non, Peigné, on ne peut pas parler, pas maintenant. Et c'est comme ça que moi, je me suis dit, oh, Grâce à Eboué, avec Oussani Nanda, quoi, tu nous amènes un bébé. Ça, c'est ma marraine et tout. Tout le monde a Nanda, je ne sais pas ce qu'elle a fait. Nanda, on a parlé, ma marraine. La façon dont ma marraine réagissait, je pensais qu'elle était fâchée contre moi, au fait. Mais elle n'était pas fâchée contre moi. Elle avait pitié de moi. Et puis, elle n'arrivait pas à me regarder. Et mon parrain, quand il est venu, il est sorti de la chambre, il m'a vu, il m'a demandé comment s'est passé ton examen. Il m'a dit, ah, il est qui bien? Il m'a juste, il m'a fait un câlin et un bing. Il m'a dit, ok, va t'en prêter pour le concert alors. J'ai dit, ok. Un matin, il y a un petit pêche à l'ail, qui a la même position, un petit caquier. L'enfant n'était pas lavé, il a augmenté. Bon, je n'ai pas analysé. Je commence à m'occuper de mon enfant, il y a Mike qui m'évitait un peu. Tant ma fille finit un chalal, n'a qu'il est au talent. Il m'a dit, chérie, tu vas manger? Nathalie a mis sur rouge. Quelqu'un qui pleurait. Je dis, oh, mais chérie, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, non, je me sens pas trop bien et tout. Et est-ce que tu as reçu une mauvaise nouvelle de Kinshasa? Oh, t'es, j'ai rien reçu. Je lui ai posé la question, quelque chose s'est passé entre toi et Grâce? Et c'est comme ça qu'il m'a dit, oh, pourquoi tu me demandes ça? Je dis, mais non, Olivier m'a dit que apparemment pour Swanny, bien quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Rappé, n'a pas été pour moi là, ce qui dit ma canisina qui n'a qui place son athée. Pas un des connards, ma canisina qui n'a qui kunate. Alors il m'a dit non, on va parler. Parce que moi je m'apprêtais pour le concert, j'ai apprêté Shaddai, je dressais la table. C'est comme ça que Mike a dit non, je n'ai pas vraiment de l'appétit, n'a pas été. Mais c'est ok, on a débarrassé, mais ça. Et comme 15h, 16h, heure, il y a concert et comment pousse ça là? Mike ne s'habille pas, Mike ne s'apprête pas. Et je demandais à Mike, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Et non, parce que tu as donné à papa Henri ta parole. Tu as donné à frère Michel ta parole. Tu as donné à maman Lide ta parole. Que vous avez un concert. Et puis, Dallas Nigezala, il y a un commun à votre unité. Et toi qui as fait leur pub, vous le voyez que vous avez un concert. Maintenant, mon couleur concert, soit qui était, vous avez été saboté, Bambo. Force-toi, je sais que tu ne te sens pas bien, mais force-toi, Kende, la Kisata et l'Ovugi. Si tu sais que tu ne sauras pas chanter parce que tu te sens mal, informez par exemple quand vous croyez mater, peut-être avoir aussi de refaire ta prière d'ouverture, quelque chose comme ça, mais il faut toquer. Okay. Mm-hmm. J'ai insisté à Ndimi, à Lati, toquer. Toquer ma concert. Rappel, tant de grand-mère qui vient à 15h, 16h, comment on fait en Grâce? Grâce, rappel, ok.
Ma maman m'a bloqué, mes appels ne passaient plus. Je me suis dit, ok, whatever. Puis je ne sais pas ce qui se passe. Tout ça, bah, c'est ma soeur, c'est ma famille. Et bien, on a fait 4 ans à 4 ans. Oh, c'est go. 4 ans. Mais on passe. Alors que combien d'enfants faire? Et Mike est quelqu'un qui est extrêmement doué dans la musique. C'est parmi les meilleurs chanteurs que j'ai eu à écouter, que j'ai eu à voir sur scène dans ma vie. C'est la toute première fois que j'ai vu Mike monter sur scène et chanter hors gamme. J'ai dit, ok, il y a vraiment un, ça ne va pas. Parce que lui-même avait insisté, la courrier matin, il me dit, mais Mathieu a aimé hors gamme, il n'a pas, il n'a pas bougé un peu la salle, l'audience. Il a dit, ça va quand même. C'est comme ça que je me suis dit, Moto, vraiment, il ne se sent pas bien. Ça, c'était le samedi. Quand on revenait à la maison, je lui ai juste demandé, tu vas bien? Elle dit, oui, non, je vais juste me reposer. Samedi, il est qui? Dimanche, il est qui? Lundi, il est qui? Je veux que humeur n'aille. Et bien, Naïka Rako s'améliorait. Alors, je me suis dit que peut-être avant un souci, il veut rentrer à Kin et tout. Elle a peut-être dans le projet, avant la pose à réaliser. Parce que Mac ne se retrouve vraiment pas aux États-Unis. États-Unis, la terrain a été. Ça, c'est, je le connais. Je connais qu'il se retrouve au Congo. Il aime le Congo. Alors, je me suis dit, peut-être, ben, dis-moi dépression, mon robot, parce qu'il est au States. J'avais bien oublié, moi, mon fou, que c'était, il y a un ça ne va pas avec mon mari, et je dois trouver une solution pour l'aider. Alors, le lundi, tout Vandaki, j'ai fait un peu de parler avec lui, toujours pas de changement. Lundi, il est colica, mardi, c'est cool. Le mardi, maintenant, il est sorti très tôt le matin, avec notre parrain, et puis avec Kozonga et tout. Et quand ils sont rentrés, j'ai fait une blague à mon parrain. J'ai dit, papa Roger, pour nous couiller, maman me bat les journées, on me bat au couille. Aucune ménage, Mike et tout ça, on a rigolé, c'est passé. Et c'est comme ça que papa Roger, Ayaming Akaka, il a dit, non, je t'ai ramené ton mari, va parler avec lui. J'ai dit, ok. Je suis montée dans notre chambre, j'ai vu Mike était assis sur le lit. Toujours crispé, toujours pas bien. Et je me rappelle le jour précédent, j'avais vu une vidéo qui circulait sur YouTube où c'était bah, genre hein, les amis de Mike Alambay et tout. Babando Tel Misabat Nanzela, quelle est ta chanson préférée de Mike Alambay, quel est Webopatunio, ce réseau témoignait en bien de Mike. Je me suis dit, ah, ça c'est quelque chose qui va vraiment remonter son esprit, qui va vraiment l'aider et remonter moral Naye et tout. J'ai pris mon téléphone, j'ai dit chérie, regarde, fais-moi une vidéo dans Kishata et tout ça, regarde comment les gens parlent bien de toi. Oh, donc vous allez un autre tendre, hein? Vous allez un autre tendre, non, quoi, non? Très, trop même. Trop. Alors, j'ai dit regarde, fais-moi une vidéo et tout ça, tout ça. Quand je lui ai montré la vidéo, quand il a commencé à entendre les gens en train de parler en bien de lui, Mike s'est éclaté, il a commencé à pleurer, donc il était inconsolable. Et c'est comme ça que je me suis dit, ok, il y a vraiment un problème ici. Et c'est comme ça que je lui ai dit, tu devras me parler parce que ça ne va pas. Je comprends qu'il y a vraiment un problème. Et il s'est levé. Il s'est levé, a tourné, a écouté la main. Il est venu devant moi à Foukami. C'est comme ça que je me suis dit, ok. What is going on? Qu'est-ce qui se passe ici? À Foukami. Et il a dit, chérie, je l'avais demandé pardon parce que je t'ai trompé. J'ai dit, ok. Ça veut dire quoi? Tu m'as trompé? Ça veut dire que c'était la toute première fois que j'ai eu à découvrir l'infidélité. À découvrir l'infidélité. Je sais que tout à l'heure, j'ai mentionné que j'ai eu à découvrir les preuves de Mike et sa musicienne Joël, mais ça c'était des preuves en 2017 que j'ai eu à découvrir. Mais en 2015, c'était la toute première fois que j'ai eu une connaissance quelconque de l'infidélité ou d'une tromperie. Et Foukami, il a dit non, j'étais trompée. Et je lui ai demandé, tu m'as trompée avec qui? Et puis il m'a cité le nom d'une dame là. En Angola, moi je t'ai trompé avec Nantan à communauté.
je t'ai trompé avec une dame là, en Angola, quand tu as quitté pour venir mettre au monde à Shaddai, en décembre. Mais aussi, le samedi passé, je t'ai trompé avec Grace. Jesus. Je dis quoi? Mec! Messieurs! Quoi? Oh, je t'ai trompé. Je t'ai trompé avec ta soeur. Je t'ai trompé avec ta soeur. Mais ça... C'est un qui me commande. Non, mais... Je sais que Peniel a ses capots, c'est défoulé, ça. Vous connaissez Sabine en haut. Azo ses capots et ça allait bien. Pour ton bande d'émission, on vous avait promis ton bande en haut 13h. Ton bande n'a arrêté à 20 minutes parce que Peniel a bandé au Lila. Peniel a bandé au Lila. Bien sa décision, mon co. Nazo, je vais ma casse et vous allez avoir point fort. Allez-y pour Nayango. Parce que ma cambo Peniel a lobby. Ah, bah, vous allez poser des questions. Oh, pourquoi que c'est ma bonne fois pour les canons, on a TV et tout. Peniel, Makamunae, à chaque message, question-réponse. Il y avait le genre, bah, tout dans Peniel, est-ce que ma bah, photo, ma bah, PDA, qui est là, solo, infidélité, il y a frère Mike. Peniel a lobby, oui, et ça est solo, parce que Peniel a lobby, il y a Coca-Cola, bah, le coutate, dans mon nom qu'on a eu. Donc, tout le monde qui est de Colombie, il y a un alibi, il y a un frère Mike, il y a un frère Mike, il y a un frère star, il y a un partout. Alors, il y a un figure publique, il y a un traitement dans la police, mais il y a un bimara karaboué. Voilà pour l'infidélité. Peignel, quel que soit frère Mike, à sa l'infidélité, ça fait mal. Parce que tu as un petit peu de temps pour écouter l'autre, oui, ça fait mal. Est-ce que, il y a un autre d'ailleurs, au bon malibal aussi longtemps ta voix s'engueule pardon au bon malibal la cap on infidélité. J'ai dit tout à l'heure que l'Ikambouane est arrivé en 2015. Si je devais quitter à cause de l'infidélité, il n'y a pas de choc plus que ça. En fait, il s'agit de l'infidélité. J'allais quitter en 2015. Je ne suis pas partie. Je répète ma possibilité de me convoquer. Voilà. Je ne suis pas partie à cause de l'infidélité. Tu as pardonné la ton mari. La raison pour laquelle je suis... Oui, je pardonnais mon mari parce que Shaddai est né en 2015, Zion est né en 2020. Ah, ok. Oui, je l'ai pardonné. Zion est né 5 ans après, après cette histoire. Et non. 2020, il n'y a pas de... Zion est né en 2019. Ok. Donc, quoi ça? Ouais, j'ai pardonné. On a évolué. Mm-hmm. Je ne suis jamais partie à cause de l'infidélité. Tu n'as jamais dit ça dans les réseaux sociaux, Bimi Samote. Bien envoyé, que Mike a vu mal à l'égoulin. Répondez dans les commentaires. Vous voyez bien en côté. C'est quelque chose que je n'ai jamais mentionné. Et là, il y a un moment où on a parce que je me suis dit, moi si, à bon baramoubaïna et tout ça, patati patata, et pour n'avoir pas, pourquoi il parle aujourd'hui? Je parle aujourd'hui parce que je me sens prête. Et je parle aujourd'hui parce que c'est mon histoire. J'ai le droit de le partager tel que je veux. Je ne dois absolument rien. Parce que quand je l'ai vécu seule. Je ne l'ai pas vécu avec Shaddai. Je ne l'ai pas vécu avec Zion. Je n'ai pas vécu ce choc avec Mike, je n'ai pas vécu ce choc non plus avec vous. Donc, et ça, pour moi, c'est une façon aussi de me libérer aussi de cette affaire. Exactement. Et tourner la page complètement, parce que je vois d'autres commentaires, ah, pourquoi Lélo, pourquoi je ne veux pas que papa JF, il fongue. Voilà, ouais, voilà, papa JF, il fongue, merci. Parce que ndenge o dénoncer la rabisso ba makambo voilà je pense que banda o luka Peniel a loba tu disais que Peniel a loba Peniel a banda qui vraiment a se senta qui prête azala qui vraiment ou édité o toluba kapo a loba makambo ye moko ba forcé été a se sentir prête ya obimisa makambo OK photo que de moi mbangu le to zo temps parce que to zo il y a 2 heures de temps explication oyo siko eloko nini infidélité à Mike et l'ongoli solibala te Peniel na bo mwana nyonso zali na 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 bo mwana na nyonso s'il vous plaît vous aidez biso na réalisation petit qu'on distrait biso avec le papier donc na bo mwana nyonso za nango na kitoko tu es jolie parce que faut le bambo tu es très jolie tu es encore trop jeune pour 30 ans nous coûter comité dans musique na yo et puis na na Mike ndenga zali nande bo fan de la couple na mino sima parce que o linga mobali no infidélité o limbisi o bito move on mobali na ngana infidélité s'il vous plaît la limbisi ka en 2015 la limbisi en 2015 la limbisi en 2016 la limbisi en 2017 ya mon nene OK la limbisi en 2018 voilà je ne suis pas parti OK to sangisi yango a limbisi po okutu ya makasa eza okoki
on attend, il faut la inimer au kindola la nande ko ya moi sinayo. Ça c'est grave au limbisi au lobi qui est au bonisa. Mais eloko nini maman, mambo minene boyo limbisi mais kalali tina de kono limbisi. Eloko nini oyo ya osko bo bima bal o école kelo parce que mission son animal les a souffrance. Infidélité surtout des bon makapo e ocho mal la laisse vie non mo bimba po zo mo ani to kokate. Deux choses. Et toutes ces deux choses concernent les enfants. Fallait que tu restes pour tes enfants. Je suis partie à cause de mes enfants. Les enfants, ils sont libres à cause de papa et maman. Mais moi, je suis partie. J'ai claqué la porte à cause de mes enfants. Explique-moi, s'il vous plaît. Deux choses. À cause de l'irresponsabilité au niveau des enfants et la violence conjugale. La violence conjugale, non seulement la violence conjugale vis-à-vis à ma personne, parce que la violence conjugale a commencé en 2013. Je me rappelle la toute première fois que Mike m'a giflé, c'était en octobre 2013. Et ça, quelques jours. Ça arrive, Peignel. Oui. On peut te gifler, ça arrive. Ma beauté. Oui. Je sais que mon oncle n'est pas violent. Non, mais moi, Mbata, ça arrive, ça passe dans la chambre. Et le comment, boy. Et donc, il y a des entrepises à peine. Mbata, et ça, façon. Mais ma vie pétait que Nalongwe, quand il y a des couleurs, il y a Mbata. Donne-moi le temps de m'expliquer. Ok, vas-y. La violence conjugale peut être comme à un niveau, parce que je sais qu'avant de commencer ces lives, j'ai publié quelques photos pour quand même un peu introduire ces sujets, parce que c'est la chose la plus difficile pour moi, Yakolobela. La violence conjugale dans mon mariage, comme à un niveau Oyo. Oyo Zobeta, moi c'est Azel, s'il vous plaît, j'étais enceinte 5 mois de Zion pour arriver jusqu'à ce point de lever non seulement la main, de donner non seulement de coups de main, de coups de pied, mais de prendre, d'aller plus loin, de prendre même toute une ceinture pour tabasser ta femme en pleine grossesse. Tu étais enceinte? Enceinte 5 mois de Zion. Jesus. Peut-être épreuve ou yo, bah, que c'est pas quelque... tu peux pas arriver dans un niveau ou yo, dans un stage ou yo, carabouille. Il va pas se réveiller un matin et te tabasser comme ça, non. C'était régulier. Depuis qu'on s'est marié au début, quand moi gifle, moi oui, et tout, mais nous sommes des bantous et tout, on s'est dit que ce sont des choses qu'on supporte. Patati patata. Le photo qu'elle va voir là-bas, c'est Peignel. Voilà, nous autres, on a 5 mois, grossesse des AM. Mais c'est quand la personne devient confortable donc on lève la main et surtout quand tu es une étape très vulnérable la vie n'a eu aux hommes même à moi non oui moindre choc n'a zéni et qui peut faire perdre le moine alors c'est quand ça et comment qu'a bouillé et comme j'ai dit tout à l'heure l'irresponsabilité. Deux raisons. Oui, ça va être une anomalie. L'irresponsabilité, je touche sur l'irresponsabilité. En 2017, je disais que moi et Mike, on n'avait pas divorcé ou quoi que ce soit, mais il y avait de l'attention. Pour la façon dont on a loin, en début 2017, on a loin, en 2016. Alors, en 2017, quand il était venu, on n'avait pas aussi eu le temps vraiment d'en parler comme tel. Alors, dans Abandoya,
Au début, quand on a quitté pour la première fois aux États-Unis, c'était en juin? Non, mai. Mai, oui, c'était après son anniversaire. Au mois de mai, pour mon abisso, il m'avait laissé avec quelque chose pour moi et pour Shaddai, mais aussi pour l'anniversaire de Shaddai. Il avait envoyé une enveloppe pour l'anniversaire de l'enfant. Donc, ça va raté. Non, après, ça va dans le bac à PC. Mais ce qui peut être PCT, dans le côté l'été, dans le côté ça peut être que non, après, ça qui pour les apparences et tout. Alors, après l'anniversaire de Shaddai, après départ Naël à mois de mai, je commençais un peu à appeler Mike et tout. Hé, mec, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, tu as laissé un enfant ici aux États-Unis, Shaddai ici. Tu dois envoyer quelque chose pour ton fils et tout, parce que je ne savais pas. Parce qu'en 2017, Nazara n'avait mis un Zayanté. Shaddai avait 2 ans. Shaddai avait 2 ans. Shaddai avait 2 ans en 2017. Alors, malgré le fait que je travaillais, malgré le fait que j'étudiais, je bossais aussi. Je travaillais. J'avais mon argent, on avait amené qu'on s'occupait de Shaddai. Et bien sûr que ça me faisait mal, ça m'énervait que Mike a dit qu'il n'allait pas voter pour Shaddai, ni pour ma personne. Non, tiens, poupou. Ma personne des côtés. Parce qu'en fait, il s'agit de moi. À 100 dollars. Je pense que la dernière fois que j'ai mangé l'argent de Mike, tout le bâté, la bilo panda. Je ne parle pas des mbongo, la bilo kakolia, yandak. Et je dis même, ah, chérie, prends, va t'acheter une robe. Chérie, simba, boye, somba ta bijou. Na sombe le bijou, je ne sais même pas. La dernière fois, ça c'était même bien avant 2017. Mais alors, son bilo quand même, bah, bijou pour ma lieuse à qui kaka bijou yon bon, on s'offre ma kaoti conserve. Et ça ka apon, on son baba bijou yon ton disaka, baba bijou na make-up. Bon, on est yon soit ça la nanwe lo, te boye biko investi, te pon nanda kouana, bilo kon yon soyo kouta nanda kweza, oyo, enis olanga somba. Et puis, Nanda quoi frère ma TV ya Kunki, jusque là, Nanda y a vedette, bon, on met la main à copo ya plastique, ma rideau, et ça, ka oyeni sa tika, yon bon, et ça, ka bijou na bijou. Je veux, il y a beaucoup de points. Oh, ben, il y a touché dans le mot, parce que je me suis dit que après cette vidéo, l'obé la likambou du souté. Mais toutes ces choses-là, et puis même à mon encore, il y a une personne, Yvette Kalongo, que je ne salue pas, que ce qui n'est pas. Vous avez une question de caméra, s'il vous plaît, vous quittez la bise, vous avez une question. Ok, vous quittez la bise, s'il vous plaît, vous avez une question de base à la concentration. Pour tout le monde qui veut voir ces photos se retrouvent aussi sur ma chaîne, mon compte Instagram. Vous allez voir ces photos-là sur mon compte. Maintenant, conseillez au long, là, moi, ce qui me passe, c'est mon nom, please. Pour la bolimwanza mais parce que vous allez payer bien pour la papa et abana nous a preuve moi surtout bisoir en États-Unis moi c'est au cosimbaté normal mais ça capon États-Unis moi c'est nos compromis je n'apprécie pas quand il faut dire que non il faut le voilà pour la papa abana quand il a levé la main dans la grande maman abana ça quand il a levé la main quand il m'a frappé dans la grande maman abana j'avais son fils dans mon ventre. Bon, tu as un avis sur le wana après. Plus on a un bijou, je pense que c'est un bijou, je pense que c'est un bijou, je pense que c'est un bijou, moi, de nature, je ne suis pas un bijou, je n'ai même pas des boucles d'oreilles. Je n'ai même pas mis des boucles d'oreilles, de nature. J'aime pas trop des bijoux, c'est pas vraiment mon truc, au fait, c'est pas vraiment mon truc. Ma bijou make-up, je n'ai jamais acheté le maquillage à Kinshasa. D'abord parce qu'à Kinshasa, il n'y a que des pirates, il n'y a pas des originaux. Et là, si je descends aux États-Unis, je stocke mon maquillage, je n'ai rien à mettre à Kinshasa. Je n'ai jamais, je dis bien jamais, acheté le maquillage à Kinshasa. Donc, Naïbité, Yvette, pourquoi tu as fait. Bon, Naïbité, Yvette, les gens pensent que Yvette, c'est ma belle-sœur ou la petite-sœur. Maman, je parle. Ils sont sur toi, Yvette. Les gens pensent que Yvette, c'est la petite sœur de Mike. Yvette, là, c'est Meki, c'est la petite sœur de Mike et tout, ma belle sœur et tout. Je vous informe, Yvette et Mike ne sont pas frères et sœurs. Yvette et Mike, bah, dans des côtés. Yvette et Mike, bah, dans la moissina mobali. Pour ceux qui ne savent pas, Bazaraka, ensemble, avant la Mike, tout balani, pendant qu'on était encore dans le mariage. Mike sortait avec Yvette. J'ai eu à découvrir ça aussi après.
Comment ça tenir le loup? J'ai eu à découvrir ça après, dans le mariage. Et moi, Yvette, on n'a jamais été proche. J'ai été toujours polie avec Yvette, mais tant rien qu'à découvrir la réalité de la vraie relation de Mike et Yvette, j'ai pris mes distances. J'ai pris mes distances, Natigala jamais quoi agresser, Natigala jamais qu'on soit ni sérieux ou guinini. Mais je répète, Yvette Kalombo et Mike Kalambay, bazalara moi si na mobile, bazalara bande côté, baye banindengenini, baye bana sur Kalembele Berlingwala. Ils étaient des voisins, ils ont grandi ensemble. Kakandenge bazalara bana carte amour que comme ma famille. Mais je ne savais pas que tu pouvais coucher avec ton propre frère, que tu pouvais être engrossé même par ton propre frère. Et tu pouvais après avorter tout un enfant de ton propre frère. Yvette et Mike, hein, baba de côté. Yvette, quand elle a fait cette émission, elle a fait ça, n'a mon corps, hein, comme pour se venger, comme pour la Koloba, comme pour la Nini. Je laissais Yvette parler. Je laissais tout le monde parler. Parce que moi, je n'invente rien. N'invente rien. Je n'invente rien. Je n'invente rien. Et Yvette, non seulement. Dans l'approche na biso et ebani na Kinshasa wana et ebani na Lingwana et ebani kuna après batignon se babandaye que vous avez un bado chuchoté comme Mike aussi abandaye pendant pour l'ignaté qui n'a pas trop na batou lui même il savait pourquoi il voulait pas que je fréquente trop les gens à qui n'est à qui pour ebani ma gamazo ça là et puis les gens ceux qui n'a poussé ni peut-être na moutou il avait peur que moutou ana a fongolana a e fara ke peñeta la boué 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 alors je disais quoi pour la Mbongo, il y a Mike et tout ça, télévision, tout ça, ce sont des futilités. Tu vois, une femme, on a au côté à côté, la défense, mingi-mingi-té. Une femme, au Koyeba, la façon dont moi je trouve que, peut-être que la solité, peut-être pour la yonité, mais pour moi, au Koyeba, peut-être l'état de la maison d'une femme, na kota la mobile naye. Et Nagota est surtout bananaye. Les enfants, hein, on n'arrive pas à trop cacher. Nabana. Tu vois, Shadai c'était un enfant, même Zion. Shadai c'était un enfant parce qu'à l'époque c'était juste Shadai. Shadai c'était un enfant qui est toujours propre. Toujours bien habillé. Tu vois, comment Shadai j'amène à l'auto, Nalisu, ou bien à l'auto, Nalisu. Focus Nanga quand j'étais à Kinshasa. Parce que je ne travaillais pas à Kin, j'étais ménagère. Tout ce que je faisais à Kin. C'est je m'occupais de ma maison, je m'occupais de mon enfant, comme mon mari était à Kin, je m'occupais de mon mari, je m'occupais de ma maison, parce qu'il n'y a aucun qui que, après monsieur son nom peignait la lampe ratée, à son bar, il y a 200-300 dollars chez le palais, Moussala n'a eu à Moana, pendant le palais, oui, je mangeais chez le palais c'était l'un de mes restaurants préférés, mais je ne mangeais pas non plus là-bas chaque jour. Pour vous informer aussi, le palais n'a eu qu'à découvrir le palais en 2018. Le palais, pourquoi? Parce que dans la plame, il y a sushi que ma grossesse réclamait. Et puis le sushi, il y a un poisson creuté. Il y a un poisson qui a l'ambiambo et tout. Il n'y avait pas des ingrédients creux. Alors, plein wana chez le palais, c'était sokozui, je crois, 12 sushis. C'était, non, sokozui 16 sushis, c'était 32 dollars. Sokozui 8, c'était 17 dollars. 17-16 dollars, quelque chose comme ça. Alors, on a invité 200-300, ça vient d'où? Ouais, donc moi, je m'occupais de ma maison. Bon, à Mike, moi, je ne touchais presque pas à l'argent de Mike. Et je te parle maintenant de l'argent. Pourquoi? Potokotana, nous, na l'irresponsabilité. Quand j'ai eu à vraiment commencer à koboya, avant Tokota, parce que je pense que la violence conjugale sera parmi les plus rassouka, on a qu'au toucher. Parce que c'est lourd, je ne veux pas abîmer un peu l'humeur d'Anga et tout. Quand je parle de l'irresponsabilité, tant que j'étais aux États-Unis en 2017 et qu'on rentrait pour Kinshasa, je savais que Shala allait reprendre les études, il allait commencer les écoles en 2018, mais aussi, Naibi que Bilamba, Bilamba en général, il y avait une question qui m'avait été posée, est-ce que tu faisais vraiment le shopping à Kin? Je ne faisais pas le shopping à Kin. Pourquoi? Parce que les habits à Kinshasa par rapport aux States sont chers. Les habits à Kin sont chers. Alors, qu'est-ce que je faisais? À chaque fois que je venais aux États-Unis, je stockais. Que ce soit mes habits, que ce soit les habits de Shadai, je stockais. Pour la Snapchat, je montrais toujours
Nini na bandai ko stocké bilamba, pourquoi j'achetais quoi, à quel prix et tout ça pour aider quand même ba maman misusu avec les garçons parce que ma bilamba est bien de bonne qualité sans pour autant dépenser beaucoup d'argent. Alors, quand je suis rentrée à Kinshasa en 2018 avec Shaddai, j'avais stocké déjà les vêtements de Shaddai, mes habits et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Shaddai a bandi carte en 2018. En septembre 2018, août 2018, parce que Mike était là quand Shaddai a repris, il était là pour la rentrée scolaire. Mm-hmm. Quand Shaddai devait commencer l'école, et là, bah, août 2018, Mike était aux États-Unis. Il était aux États-Unis, j'ai dit, chérie, regarde. Il a besoin d'une nouvelle garde-robe pour ma classe. Je lui ai envoyé une liste et Bilamba des essentiels quoi. Mm-hmm. Je lui ai envoyé aussi ma boutique où il pouvait acheter comme il était aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis avec $300, tu peux renouveler le garde-robe de ton enfant. Mm-hmm. À Kin avec $300, peut-être une bonne paire de chaussures. Et deux ou trois articles. Les habits sont très chers à Kim. Alors, on a dit l'histoire, on a dit on ramène ça pour la rentrée scolaire. Il y a Shaddai. On a fait un qui a vitamines, il y a Zeni et tout ça, tout ça. Il m'avait ramené les vitamines. On a fait un qui a blog Monsieur Sous maquillage. Il avait ramené un blog Monsieur Sous à maquillage. Mais ce qui m'avait choqué, quand Mike est revenu à Kinshasa, il y a qui a des vitamines. C'était gentil, j'ai dit merci. Et tout, mais c'était aussi sa responsabilité. C'est pas un obé tout le monde à beau côté. Pour moi, qui t'en a l'âme et la rambanaye, elle se rend compte, elle se rassure que sa maison est propre, elle se rassure que son mari est en bonne santé. Babé, t'es là quand même à beau côté. C'est ta responsabilité. Et puis en tant que mobile, me ramener les vitamines pour ma grossesse, c'était pas quelque chose à applaudir ou à acclamer. Oui, on dit merci, mais c'est pas un exploit. C'est ta responsabilité. Alors, à mes lignes de l'eau, comment la fin, qui moi, ma make-up, n'a pas de l'eau, n'a pas vitamine à mais il est rentré qui avec un père de Timberland et à Shaddai qui était numéro 2, un numéro que Shaddai jusqu'à aujourd'hui, Shaddai ok 5 ans, Shaddai porte toujours 13. Yabam, non, combien t'en as un T? Donc Timberland en attendant ce moment que Shaddai avait 3 ans, Shaddai ok 5 ans, mais Timberland non, a tiré qui a quitté sa tille et l'eau est au coquetté. Et c'était la seule paire de chaussures qu'il a ramené pour Shaddai. Il a amené un polo, et puis il a amené deux pantalons, et deux chemises, et deux débardeurs. Il dit, donc, mais pour lui-même, il est revenu avec deux valises, des vêtements. Il dit, Mike, où tu es aux États-Unis? Pourquoi ne pas faire le shopping? Et à Shaddai, pour la classe. Où tu es? Il dit, la boutique, il dit, la boutique, il dit, il dit, il dit, la States. Tu es parti dans quel mall? Sur qu'il est vraiment nuance, on a vraiment comme nuance, qu'est-ce qui se passe? Après, les Cambouana est en classe, je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé dans la tête de Mike après qu'au foot à Minerval, et à Shaddai, et à lycée Prince de Liège, et à part couper sa bisseau, bon, au jour par jour pour la nourriture, Mike ne me donnait même plus 100 francs. For anything. C'est en septembre que je fais. Sur l'irresponsabilité financière aussi. Okay. Donc, je disais quoi? J'ai oublié la perdre. Il me donnait plus l'argent. Et puis, en ce même septembre-là, c'est quand j'ai eu à vivre l'Ikanguya, violence conjugale. Je saute un peu, on va revenir, je vais donner les détails, mais on saute un peu. Et c'est quand j'ai déjà l'irresponsabilité. On attend à ces comportements, ça m'avait déjà énervé, mais c'était pas complètement ça la raison pour laquelle je me suis décidée de partir. C'était pas là que j'ai décidé que cet homme est irresponsable, il n'est pas présent financièrement. Ça c'est quand même l'ingratitude, parce que à Kenaki c'était juste la première fois où on a fait un casse-tête de la Shaddai Loco à son été, mais c'était pas pour cela que je suis partie. C'est pas pour cela que je l'appelle irresponsable, parce qu'il est irresponsable. Il y a eu la situation là de la violence conjugale. Ma mère, ça s'est fait que ma mère est à Kin. À un moment, ma mère a eu à voir mon corps à Kin. Et je me rappelle, à Pessan, dans le moment que toute décision que tu voudras prendre,
un moment, puisque sa mère, on va te soutenir. Alors, j'avais pris la décision à ce moment-là que je devais rentrer aux États-Unis pour okay. non seulement la naissance des ailleurs, mais pour me mettre un peu dans l'atmosphère, mon corps, dans l'encadrement où je me sentais en sécurité. Parce que je ne me sentais plus en sécurité avec mec. Parce que, comme c'est mes affaires évolué. C'est comme décembre. En décembre, on a. Parce que Zion devait naître en janvier. Mm-hmm. Zion est né avec un retard de 3 semaines. Mm. Zion est né en février. Mais Zion devait naître le 16 janvier 2019. Zion est né le 5 février 2019. Alors, tout comme il est en décembre, Mike il était parti à Lubumbashi, avec qui il avait un voyage, et tout, moi j'étais à Kinshasa avec Chabé. Tout comme il est décembre, bon, tout comme il est d'abord novembre, non, je commence à appeler Mike. Alors, Mike, tu dis quoi pour mon voyage? Je dois aller aux États-Unis, je dois mettre en main, je dois accoucher. Pourquoi pas seulement accoucher à Kin et tout ça? Est-ce qu'à Kin, il n'y a pas des médecins compétents et tout ça? Il y en a plein. Mon gynécologue, le médecin qui m'a traité pendant la grossesse de Shaddai, comme la grossesse de Zion, docteur Mossibo, c'est un docteur excellent, exceptionnel, de Ngaliema Center, avec le docteur Adèle, que je salue, que j'aime bien. Il y a le docteur Claude Kabbala, que je salue aussi. Donc, ce sont des médecins qui ont pris super, super, super bien soin de moi à Kinshasa pendant mes 2 grossesses. Alors, mais la raison pour laquelle j'insistais à ce que Zion aboute à mon état, c'était pourquoi moi j'ai un passeport américain. Je suis américaine. Shaddai, c'est un américain qui a aussi un passeport américain. Mike, fin 2018, il était déjà résident américain. Il avait la résidence américaine. Donc, Mike, Shaddai, Pignel, on pouvait tous voyager aux États-Unis sans pour autant demander un visa. Moi, na ou à Botami, chez une américaine, et ça n'a pas comme un sous-sous ou whatever, à Ozanel Mukanda. Na si ma parents nae, na si ma maman nae, mais ça va un processus, c'est ça qu'on a comme milaï. Comme ça que pour un peu éviter ma bureau corona, je me suis dit que pas rien sur Babo Tamaka aux États-Unis, ça me permet aussi d'être avec ma mère. Une okuba ne veut pas dire que, ouais, juste au moins la montée, tu n'as plus de famille, tu n'as plus de parents et tout. C'est comme ça que je me suis dit que moi je compte Kobota aux États-Unis à côté de ma maman. Une autre, je suis sa fille aînée, mes enfants, Baba Kokonaya Liboso, elle a le droit de jouir d'être là pendant que Nazo Botaba m'a rappelé. Alors, tout comme il est en novembre, vous voyez. Mais comment ben à Mike, oh non, bon habillé, je dois voir aux États-Unis avec Shaddai. À comment ben dans mon encore. À comment à obéir ça est une bonne côté, même nos comptes bancaires, il y avait plus l'argent qui entrait dans le compte dans là et tout ça, même l'argent de YouTube. J'entre sur YouTube pourquoi? Ça c'est pour les mamans de Kazarim. Vous vendez de la guinée à la maison, vous étiez là en train de raconter des choses que vous ne maîtrisez pas. Il faut avoir honte. Je vous dis ça clairement dans la caméra, il faut avoir honte. Boyebi et l'eau comme roté. Par contre, le balobaranda pour vendre la caté, qu'on juge été. Oyebi place ma étant à l'ananda pour en athée. Vous êtes mis là, les soi-disant femmes sages. Pour vendre la messe, vous avez attaqué Ndekonabino Mouassi. Une femme qui peut être moi dans la binou. Une femme qui peut être même Koko Yabamisu Sunabino. Une femme qui est dans le mariage, qui a vécu des choses que peut-être vous aussi, vous avez vu, mais vous vendez dans la main ça, pour vous dire que non, elle a détourné les comptes, elle a détourné l'argent des amarres. Il faut avoir honte. C'est pas gentil, c'est pas bien. Mais oui, un bon moyen, il y a YouTube. Donc, tout ce qu'on a, il y a un cas par contre, il y a YouTube pour voir un bon. Bon. Alors, quand j'ai constaté qu'il ne me donnait plus de l'argent, tous ces comptes-là, que ce soit YouTube, que ce soit iTunes, c'est moi qui gérais. Mike ne savait pas comment gérer YouTube. Il ne savait pas comment mettre une chanson sur iTunes. Ma famille sur la technologie. Bonjour, ma. Na émission na la marche de santé. Avant de qu'il y ait mon coup, na Mesa. Alors, ben, on était sur YouTube. Comment c'est moi qui gérais tout ce qui s'agissait de la musique, tout ce qui s'agissait de vidéos, tout ce qui s'agissait de YouTube, de iTunes et tout. C'est moi qui maîtrisais, c'est moi qui faisais. Et surtout que quand à Fongola qui chaîne YouTube, il y a quelqu'un qui a candidaté aux États-Unis, tout Fongola YouTube chaîne, dans un combo avec mon tax ID parce qu'il n'avait pas encore de carte sociale aux États-Unis, parce qu'il voulait être reconnu, il voulait que cette chaîne-là soit reconnue comme une chaîne américaine. Alors,
Tant d'amis que mec a tiné la bonne côté, n'a vu bon, n'a coup à bêta. YouTube on a chaque 21, va tiné moins 3000, va tiné moins 4000. On a peine à seul, nous sommes un bon, un bel manga et un bon manga. Alors, qu'est-ce que je vais faire? N'a et ben de l'écran, cette chaîne YouTube là, tout fond là, en gros, tout ça compte au bon et n'a qu'à la verser, n'a compte n'a vu ça au commun. Il y avait mon nom et le nom de mec. Tant que le mbo amité m'a ébimi, Mike, quand il était parti aux États-Unis, n'a pas de maman, à qui a fait un compte Moussoussou, n'a combo n'aé kaka. Quand il est revenu, il m'a dit non, je veux que ce compte soit le compte où on a dû recevoir un bon mot, tout save, moins bon, il y a la YouTube, bon, on va dépenser l'argent des prestations et tout ça, mais bon, à YouTube, je veux qu'on mette ça de côté. Non, là, moi, c'est Nayoki. J'ai mis ce compte-là sur la chaîne YouTube et tout ça, n'a dit qu'il y a encore un bon mot. Quand le mbo amité m'a est sorti, sur iTunes et tout ça, ouais, donc, bah, avril et tout ça, bah, mars-avril, quand on a fait tout ça, ah, autant à novembre. En novembre, voilà, je me suis dit, t'as un coup, je dois voyager, je dois aller aux États-Unis, déjà, je suis à 8 mois, mais tellement que je souffrais pendant cette grossesse-là, j'étais aussi très mince. Donc, Zémi à 8 mois, et ben nous, moi, l'année, disait, mais à 5-6 mois. Donc, je me disais que je peux encore camoufler, je peux dire que Zémi à moi, et Zémi à 6 mois, ils vont me laisser monter sur l'avion, ma robot il a raté, surtout que je pars aux États-Unis, les Américaines, ma coup camarade à Kishasa, et tout, n'avait pas signé, je dois voyager parce que je dois aller mettre au monde aux États-Unis. Alors qu'est-ce que je fais? Je changeais place, versement, et un bon goût, et Salima. Au lieu, et Salima, dans le compte n'aïe personnel, pour les équipes, dans le compte n'aïe moko, j'ai remis ça dans le compte n'aïe soumi balé. Ce qui veut dire que même Mike avait accès à cet argent. Et maman, des cas, c'est un bon goût, hein? Bon goût, na compte on a un bon et bandai koukou tasika. Même Mike avait accès à cet argent-là. Il avait accès à ce compte-là. Là, mon bon est conversé. Le 21 novembre, j'ai acheté le billet pour les États-Unis pour la décembre pour moi et Shadai. Mais la tiga qui compte kakabongo. Parce qu'il compte kakabongo. Mon bon écoute, on a un compte. Parce que tant on a son billet. 3 millions sont un qui. Parce que j'ai acheté le billet. Moi, ma mère a mis Kémiké pour la bagage et tout ça, et Tikalaki. Mais je réfléchissais aussi sur la layette. Quand je vais arriver aux États-Unis, je ne sais pas si arriver aux États-Unis, il va m'envoyer l'argent de la layette. Donc, un ticket qui raconte Bongo n'a changé mot de passe. Il y a YouTube pour qu'il ne soit pas capable d'entrer sur YouTube et remettre le donné pour Bongo et à la version d'un compte, nous souvent, il y a Yemoko. Mais je répète. Quand Ombo et Bandai Kokota et la compte n'a vu ce commun, lui aussi avait accès à cet argent-là. Il avait aussi sa carte bancaire qui était connectée à ce compte-là. Mouko, lui, vous voyagez? J'ai dit tout à l'heure, Mike était à Lubumbashi. Le 21, pour YouTube, paye chaque 21. Chaque 21 de chaque mois, si tu as totalisé 100 dollars, YouTube va refouter à eux. Le 21 novembre, et Koko est là, dans le Lubumbashi. A Benyengam, non, t'es rien, qu'est-ce qui se passe avec le compte YouTube? J'attends le versement, je n'ai pas vu le versement. Ngapé, n'a pas qu'il a quoi ça raté, mais je vois la cosa qui m'a cassé. Je lui ai dit, ah chérie, je ne sais pas, je ne sais pas d'où est parti l'argent. Ah, tu n'as pas, comment tu ne sais pas où est parti l'argent? Moi, il dit, mais caca, ouais. Elle a évité, raté, papa, t'as évité place, Mbongo, et Kei, n'a évité. Mais lui-même, place à Zalaki, il pouvait voir. Compte Nini, Mbongo et Ezokende. Parce que oui, je changeais le mot de passe de YouTube, mais je n'avais pas changé le mot de passe de Gmail. De Gmail. Bah, toi, par exemple, un compte YouTube, bah, pour avoir un compte YouTube, il faut avoir un Gmail avec Google. Maintenant, dans Google, on a un qui peut vous effacer le message. Et là, qui dit que autant a été versé dans le compte tel. Mais il y a ces événements que je pense qu'il voulait seulement que je puisse avouer. Non, on a ça qui m'bongo, boué. N'a pas tout ma casse, il têtu comme tout. N'a pas de remplacement, on a inquiété. Il s'est enflammé, abandonné au ganga, abandonné à l'Inda, mais la bébé, Dieu merci qu'il est à Lubumbashi. Parce que s'il était ici, il allait me tuer. Donc, bon, on a écouté, dans novembre, on a sombré papier, on a vu ce pont à l'étage. Quand on a eu un moment trésor avec lui, on a kima qui a pour kima qui chasse. Mais le jour que moi et Shadai, on devait voyager pour. Les États-Unis, c'est le jour. Moi, je n'avais pas eu un mouvement à Mike, il se soutenait. Il voyageait, il bougeait comme il voulait. Il ne me disait pas que non, je quitte tel jour, je rentre tel jour. Quand on a fait un mouton, on n'avait pas dit qu'il avait encore du temps. À Lubumbashi, j'ai acheté le billet. Le billet, je crois, c'était pour le 9.
le 9 décembre. Pour vous guider, parce que je me rappelle, j'avais fait Kinshasa, Maroc, Maroc, Paris, Paris, États-Unis. Dans un bateau, bah, dans là, sur Instagram, vous voyez bah, que j'étais à Paris en décembre 2018. Ma grand-mère, bah, vous pouvez vérifier ça. Au total, et le Walobé qui a une vidéo sur son Instagram, et le Walobé qui a une vidéo sur la vidéo YouTube, parce que je ne suis pas en train de mentir. Alors, Tokata, Toto, continue, Kak. Boloba, pardon, pour la moto, ça aide à 2 heures, Bolinga, Loba, Kak. Tokata, toi, tu as deuxième partie, Toto, continue. Non, c'est la réponse. Peignez le temps, mais la normale. Ok. Yeah. Descends mon message de côté, continue. Ok, tu continuer, mais tu sais pour voir que le live est au fin de l'an 2 heures déjà. Il faut que tu quand même peignel à mes carrières. C'est ba point fort. Kakana moi ba précision mouké parce que je vous donne des points forts pour la vie. Bon, mon amour est d'information. Voilà, mais c'est ça les points forts. Il y a beaucoup de détails que je vais même pas mentionner parce que. La bête est bino li solo, il y a fumé en Angola, c'est même pas une histoire que j'aimerais raconter. Ça, tu as aussi te comprendre pour n'a coûté infidélité au tika lobo et à frère Mike, une responsabilité à maman Mongo, il y a un mot au traité de Mouyibi et tout et tout, et des mamans, on va s'alarmer. Fille, voleuse et tout ça. Donc, exactement. Mais pour na awa wa to ki ndepo les actualités là là, frère Mike, ou t'es qu'il y a États-Unis, awa, c'est la fille, ça, la fille, ça, caca. Voyage dans le monde. Sois un peu bref parce que. Oui, je suis bref. Il y a pas de la cause de l'eau, la moi, mais tout n'a mis sous. Pour la bâton, c'est pas quoi. Il faut se demander. N'a pas le moment à peine, on a qui chasse avant beaucoup d'années n'a pas été. Le jour que nous on voyage, c'est le jour que Mike a atterri à Kin. Maintenant, il fallait pas que tant que n'a pas quitté Kakana, ma bagage, chez moi, j'ai quitté de la chambre au salon avec mes bagages. Non, t'as pas bagage, n'a pas quitté la carte à l'opin. Je me suis dit, ah, on va plus voyager. Ah, je vais mourir, Chadaï. Après, mon papa n'a pas été à Betty, maman n'a pas été à Koufi. Mais Zambali, la raté. Mais entre dans la parcelle, 2 minutes après, We Celebrate. Le frère de We Celebrate. Voilà. Bakoti, je vais rater cette école, Bakenda, Fabrice, et tout. Bakoti n'a pas été à l'opin. S'il se rappelle bien, même Paul, même Fabrice, n'a pas mis sous Bavanda qui a payé, puis mon colonne a voyagé à qui. Parce qu'ils étaient chez moi à la maison. Dans Bavanda Kiwana, ça n'avait pas permis à Mike de réagir de la façon dont il voulait réagir. Okay. Alors, Nanao, je ne savais pas qu'elle n'a pas pu tenir son beauté. Je crois que c'était qui? Je crois que c'est Eddie. Eddie qui m'a demandé, ah, madame, vous voyagez? Ah, mais oui, je pars aux États-Unis, je vais aller accoucher. Dès qu'elle dit, ah, maestro, il y a des filles qui sautent. Mike répond, oh oui, la bossane est couvée. Il a dit, non, madame, fois qu'elle est déjà, elle mais déjà époussanée. Pas content, tu savais que je voyageais. Wow. Il y a eu un voyage. Zambé, à Salibuso Krasmo, donc on est parti et c'est la dernière fois que j'ai taquine. Donc, ça c'est déjà un point par rapport à l'irresponsabilité, par rapport à l'argent. Et pour aussi rectifier, ma combat YouTube, ma combat bon moment, tu as détourné l'argent aussi de YouTube. Pour un bateau, bah, il y a pété. Sur YouTube, je pense que bah, oh, bah, je crois que j'ai des preuves de combien d'argent de YouTube versé et tout ça, en janvier. Ils ont versé environ 1500, en février 1400, mars 1500, avril 1500. Tout le monde est là, bah, 60, je crois que tu as balancé mais, bah, 61 dollars. À partir de mai, bah, en fait, ça est tout le monde. Rien n'entrait. Donc, de janvier, tin avril, je vivais de l'argent de YouTube. J'ai toutes les preuves. C'est les bisous. Il y en a là-bas. Sur le côté la biseau bah nous on va balancer les choses même d'abord parce que je veux parce que il y a ces gens dans un circuit, il y a Mike qui disent comme quoi Mike parce que depuis que Zion est né, depuis que j'ai quitté le Congo en 2018 quand on a bien depuis que j'ai quitté le Congo en 2018 pour venir mettre au monde à Zion aux États-Unis, Mike ne m'a même pas envoyé 100 francs, que ce soit ni pour Shaddai, que ce soit ni pour Zion. Mbongo, tu m'en as vivre en Ango, janvier, février, mars, avril, et d'aquel Mbongo, il y a YouTube, et ben là, il faut se verser. Ce que, à partir de mai, j'ai vu, mais que YouTube ne donnait plus de l'argent parce que les gens ne regardaient plus les vidéos de Mike comme tel. Ce que vous devez comprendre, et là, moi, parenthèse, la formule par rapport à YouTube. YouTube calcule les vues par rapport à adresse IP. Donc, tu ne peux pas regarder la même vidéo sur YouTube 100 fois
sur ton téléphone et penser qu'eux ils sont vus. Non. Comme cette adresse IP a déjà été enregistrée, comme quoi tu as déjà regardé la vidéo, bah pour compter en caca une fois. Parce que si c'était le cas, bah ben rien qui va vendre là ma téléphone, là bah aussi en caca ma vidéo n'a pas envie de tourner. YouTube quand même paye les gens et à Moussala et la plateforme au bah pas autre la vidéo au fait. Donc ils sont intelligents dans leur façon de calculer les vues. Alors tellement que lui m'a mité, mais il sait qu'il a beaucoup plus succès. À un moment, il sait qu'il a beaucoup plus succès début 2018. À partir de 2019. Moi, ma mikimiki, la naïko kota, mais pas comme en 2018, parce qu'en 2018, bon, voilà, souko, en novembre, en décembre, il y a 3000, presque 4000, donc 3000 à Liboso, na salaki na mon, na somba qui va billet, plus séjour na biso à Paris, et tout, 4000, et y a qui après. Na foute la qui en roche à la classe, pour la bateau, ben le bar que non, classe foot à maraté aux États-Unis, classe là au Félé, Chadaï à l'école maternelle. Voilà. L'école maternelle aux États-Unis est payante. École maternelle aux États-Unis, je répète, école est payante. Primaire des commentaires. Primaire des dans la au Félé. Mais comme, bah, tu me dis beaucoup, pourquoi il n'est pas seulement resté à la maison. Chadaï avait commencé l'école maternelle à Kinshasa. Quand tu quittes les États-Unis, elle avait écouté mes parents, maman, je vais aller à l'école, je vais aller à l'école. Alors l'argent, c'est que cet argent-là, principal, a fait. Ça fait la layette. Il y a décembre, hein, c'était bah, 4000 dollars. C'était quand même l'argent consistant. Et ça fait la layette, ça payait d'autres factures. Il y a hôpital, il y a hôpital plutôt, il y a Zion. Et ça payait les études des Shadai. Et puis après ça, Mbongo et Kita qui a parti en janvier. Si, na mais, Mbongo et Banaï, beaucoup de talisus sous T. Et bah, au Balandana, sur mon compte Instagram. Savent que quand Zion a totalisé 2 mois, c'est que moi j'aurais pris avec le travail. Voilà, je vais laisser Zion à la maison, je vais partir au travail. Mais si quoi, l'eau est ça, récent, ah, c'est que Frère Mike a épané mon banane, frère Mike Bankenda, motoki a bolengé, mon banane, boboy, pour l'accès banane, ma parent nous a exigé, puis ma mombongo. Et puis Frère Mike a kiawa et yo sa la ke deuxième tour a eu soussoune a moni bananae a kanina bango photo a posté pen Instagram a tikeli bango mbongo o bako zala nango a pesa Chadaï mbongo a pesa vraiment Chadaï mbongo bepenye. Oui, a pesa Chadaï mbongo. Voilà. Alors yed se vio nan sigo mondan. Donc la première fois que Mike est venu aux États-Unis, Mike m'a appelé comme quoi il voulait voir les enfants et tout. Naïm fait ok. Il n'y a pas de problème, ce sont tes enfants au Moulinao Bango, et ça c'était en juin, s'il vous plaît. Nous on a quitté le Congo en décembre avec Chadaï, d'ailleurs on est né en février. On a été descendu aux États-Unis. Non, juin c'était pas la première fois qu'il est descendu aux États-Unis. Juin c'était la première fois qu'il est descendu aux États-Unis et qu'il m'a appelé pour me dire que je vais voir les enfants. Non, pas la vérité, mais comme j'étais en un juin, moi, j'étais encore chez mes parents. Je me suis dit que, ah ouais! Mon papa a fait à découvrir ma cambe bébé, ouais, et ma guité que j'ai vécu dans le mariage. Et aussi m'batté que Mike vienne à la maison, je sais même pas comment je vais expliquer à papa que non, Mike a zoya pour être à la banne des enfants qu'il a, on peut dire, abandonné, you know, avant que je ne travaille. Il y a c'est mes parents qui m'ont donné des coups de main, malgré que je travaille, tu vois, maman, ma mère, elle m'a abîmé, elle rentre avec des sachets de vêtements pour Chadaï, de vêtements pour Zion, des choses comme ça, des vêtements pour ma personne, you know, pour un bon moment dans l'ango et qui n'est dans ma communauté ou quoi. Et mes parents m'ont aidé à un niveau que je ne peux même pas commencer à décrire ou à expliquer ici. À l'époque, je restais encore chez mes parents. Dans juin, là, je suis plus chez mes parents, je suis chez moi avec mes enfants. Non, ben, salut, c'est quand même grâce et tout. Les choses ont évolué bien en 2019. Alors, Mike est venu en juin. Avec Nina, oh non, je veux voir les enfants. Et il n'y a pas de problème. Baba Nanayo. Mais on ne pourra pas se rencontrer à la maison. Parce que si tu es chez mes parents, toi tu es où? Oh, je suis chez le parrain. Pour des raisons personnelles, je ne me sentais pas non plus à l'aise de partir là-bas avec les enfants. Aussi, pour la raison, monsieur, ce que je ne préfère pas aborder ici dans la vidéo, ce n'est pas nécessaire. Mes parents, ce sont des gens que je respecte beaucoup. Mais après l'incident de 2015, il y a eu un peu de... Cette maison-là,
C'était une maison qui était pour moi une maison qui avait de très mauvais souvenirs pour moi. Mm-hmm. Parce que c'était par là que j'ai rien à voir avec les parents. Mm-hmm. C'était juste l'endroit, quoi. Alors, je me suis dit que je ne me trouve pas à l'aise d'aller là-bas. Comme je savais, je savais qu'il y avait un hôtel, Marriott, Mako Sarate. Je suis sûre que bah oui, à Dallas. Je vais rectifier ça. Mm-hmm. Pour façon, et Panzana est là que non. Mike à l'hôtel. Mike à l'hôtel. Pour là-bas, se réconcilier. Patati patati. Pour tout, c'était même pas ça. Il y avait un hôtel à Marriott qui était à la moitié de distance de là où moi j'étais. Et aussi à la moitié de distance de là où moi j'étais. Je lui ai dit, bon, comme on ne pourra pas se voir ici, Shaddai aussi aimera te voir. Et c'est aussi temps que tu vois avec la même Zion. Zion est né en février, tout ça en juin, au moyen de mon été. On voit quand même comment on a eu. Alors, lui, il commence à faire la tête, comme quoi, non, donc, tu as un hôtel, t'es comme si quoi, tu n'as besoin d'aller ou quoi. Elle dit, non, à l'hôtel. Je vais appeler papa bienvenue, ton oncle, pour lui dire que tu as un coup. Mais c'est bon. Mais quand vous pouvez, il y a eu aussi ma tête. Tu as un téléphone, il y a mon oncle qui m'a appelé. Papa, bienvenue, parce qu'il venait de parler avec Mike. Mm-hmm. Il m'a dit quoi? Parce que retenez que Mike avait refusé que tout coûte à la Marriott. Voilà. Et il a dit qu'on va se voir chez ton oncle. Je lui ai dit ok, mais quand on est là-bas, on y est pas que famille, c'est ma famille. Fait que j'ai vécu avec toi, on va y est bien haut. Mais ben là-bas, jusqu'à présent, il a appelé mon oncle et mon oncle a dit non. Il a été catégorique. Il a dit non. Et puis après, quand mon oncle a fini de parler avec Mike, il m'a appelé. Il a dit non, Mike m'a appelé parce que mon oncle ne pensait pas qu'il y en a Mike de cette solo là. Il m'a appelé pour me donner le rapport. Que non, regarde, Mike m'a appelé pour m'aboyer, pour me demander s'il pouvait venir voir les enfants ici à la maison. J'ai dit non parce que c'est un manquement de respect à ton père. Voilà. Parce que toi, quand tu es venu au Botswana comme un parent, ce sont tes parents qui t'ont pris en charge. Ce sont tes parents qui ont pris les enfants en charge et tout. Donc tu ne peux pas prendre na binoana on me met par encore un goulou chez moi et que Mike voit des enfants chez moi pendant que je pars vraiment offert un coup de main. C'est tes parents qui l'ont fait. Je dis ok. Ndenga a expliqué que moi j'avais d'ailleurs proposé à Mike que tout coûte à la Marriott mais à Boyaki. Et c'est comme ça que mon oncle a dit pas question. Il m'a donné un conseil, il a dit pas question. Ces enfants là, ce sont des enfants qui n'ont pas été conçus dans la rue. Toi, on t'a pas ramassé de la rue pour Baba Layo, Baba Lolanda, Baba Lola. Bah, ils ont été conçus dans la quoi et, voilà. Et puis Bissika Baza chez tes parents, c'est là où Mike devra atterrir pour voir les enfants. J'ai dit ok, ici là avec mon nom, j'ai appelé ma mère. Je relatais l'affaire à ma mère. Ma mère a appuyé ce que mon oncle a dit. Elle dit oui, il faut qu'il fasse les m'avouer. Il doit appeler ton père, il doit dire à ton père qu'il est là et puis il doit venir à la maison pour voir les enfants et non seulement pour voir les enfants, pour prendre son enveloppe. Ok? Liba la paix et dans liba la mort au bas parents dans la boumati. J'aimerais que toi y a un peu la rumeur qu'on laisse un peu mes parents en dehors de mes propres décisions parce que là et là c'est pas intéressant. Non. C'est pas intéressant du tout parce que les gens sont là en train de raconter des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Non, mais même sur mon Instagram là, je mettais rien de grave, hein. Je n'exposais rien. Tout ce que je dis, tout ce qui choque les gens. Qui nazoloba, ce sont des choses que je n'ai jamais mentionnées sur ma chaîne, sur ma page Instagram. Dis-nous. Il y a toujours des gens qui me demandaient pour ensemble. Non, on n'est plus ensemble. Mm-hmm. Est-ce que l'infidélité ou les acquis sur le oui, les acquis sur le à part ça, nazoloba ni missus. Okay. Dites-moi, nazoloba ni missus. Il excepte toi à propos. Alors, Mike Yoka, quand Mike est venu maintenant et que ma mère a dit que non, Mike devra venir à la maison pour nakomona bana et tout ça, j'ai appelé Mike. J'ai dit à Mike, Eko Simbate, chez papa, bienvenue à Bibi, je parlais avec lui, il m'a dit qu'Eko Simbate, oh, tu écoutes encore quand la Marriott. Et Marriott est quoi? Tout le monde a appelé juste la Marriott. Si tu veux voir les enfants, tu viens le voir à la maison. Mm. Et c'est comme ça que Mike a dit, ok, passe-moi le numéro de ton père. Je lui ai envoyé le numéro de mon papa. Ça coïncidé que c'est dimanche-là, je me rappelle, c'était un dimanche. Il a appelé mon papa pour dire que non, papa, je suis à Dallas, j'aimerais passer, j'aimerais voir mes enfants. Et puis la conversation, il s'est enregistrée, hein. Pour papa, lui, soit Timba. Parce que il y a trop de choses. Que, oh non, les ondes, dit Baloba qui va salaki. Mon père a cette conversation enregistrée sur son téléphone. Mike a béni papa Bissot. Oh non,
j'ai un programme très chargé, je dois voyager demain lundi et tout, je passe en quelques minutes pour voir mes enfants. Mon père a dit, attends. Donc toi, tu penses que non, je viens et tout ça, et tout ce que nous sommes en train de faire doit tomber parce que yoye et tu dois avoir des enfants. Il faut quand même avoir un moindre respect pour les gens. Tu n'as pas demandé mon programme. Tu n'as pas demandé ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Et ça coïncidait aussi que mon Koloana, c'est le jour que ma tante, venant de la Belgique, était venue à la maison pour voir mon père. Et ils étaient en plein préparatif pour sortir. Parce que c'était le dernier jour aussi de ma tante à Dallas. Mon père a dit aujourd'hui, ça ne sera pas possible. Vol à Kinshasa, États-Unis, direct. Attends, on a stoppé là 18h. Avant de quitter, tu pouvais dire que je venais. À 18h, on pouvait disposer tant la vie. Surtout, il y a eu que Mike sera aux États-Unis, la période telle, il voudra voir les enfants. C'est pas que tu atterris seulement à Kinshasa. Et tout ce que les gens sont en train de faire doit être annulé parce que faut quand même respecter les gens. Faut quand même respecter le programme Nabaro. Parce que Zaka Kate, ou Yadandok, ou Vandi, ou Mimi Shadai, quand il va foutre un chadak, quand il va foutre un zayon, au limo, ok. Non, ta famille, il va aller dans la carte, il va aller en OP. Et Koufi, par ma propre décision, moi, Peignel, j'avais déjà dit à mes parents qu'est Sili. Alors mes parents ont dit bon, tu vas entamer le processus civil et tout au niveau de l'État, il y a Texas, religieux, tout ça, médical, tout tignos, non, pour un zambé, mais coutumièrement aussi. Un symbole doit être rendu à Mike et à sa famille. Alors mon père voulait utiliser cette occasion au Makabandaï Kouyamananda pour amener à Balanaé pour n'accoper sa épée enveloppe, s'il vous plaît. Ce qui a circulé partout sur Internet, c'était quoi que Mike va Boyamunabana, Mike va Boyamunabana parce que Mike va Boyamunabana parce que c'est gagné 70 000 $. Mike a beau écouper ça, $70,000. Non, 70 000 les aïe liba la maman. Pourquoi nous nous sommes sur 70 000 $ et ça, franchement, vous allez m'excuser. Naïbi, tellement que ces conneries sont tellement à côté de la vérité. 70 000 $ à Batunia, son adresse. Je ne savais pas que tu pouvais avoir 70 000 $ à jeter pour un mariage pendant que ta mère est encore locataire à Kinshasa. Maman Monique, la maman de Mike n'a même pas une parcelle. C'est à Zovanda. Elle loue. Jusqu'à présent, elle loue une parcelle, mais tu as $70,000 à jeter. Et ça, il y a un thème de l'oba qui famille à Mike qui est aussi vite la famille à Mike Mignon. Parce que la famille à Mike qui est aussi Yvette qui n'est même pas de sa famille. Ok, ok. Donc, close. Alors, qui ça? Alors, quand mon père a dit non, tu devras me donner un programme, tu devras venir tout vendi et tout au soleil, yozu yozu bano yo shadai na zayon. Mon père l'a dit clairement, ce sont tes enfants. Voilà. Dans la place mon rôle dans la ville bas mon côté sur la vie des enfants, ce sont tes enfants et les enfants des Peignel, mais de la même manière dont shadai na zayon bazabananayo Peignel père à mon langa dans la ville bas sur la vie de ma fille, et ma fille ne sera pas éternellement liée à un homme. Alors, Mike a filiki, parce que mon père n'a pas voulu le voir ce jour-là. Il a levé le temps sur mon père. S'il vous plaît, il a levé le temps sur mon père. Il a dit quoi? C'est de la mauvaise foi à bandit que l'oba. Il a manqué à mon père du respect. Mon père, c'est un monsieur de beaucoup de maîtrise. À l'oba, rien. À l'oba, il a ouvert kataka téléphone. Et c'est comme ça que quand Mike est venu en juin pour voir les enfants à Monabanaté. Je reviens dans ma cambo, il y a YouTube, il y a des émissions qui sont faites sur YouTube. Dans l'émission, il y a Mike na papi mboma. Ouais, ça là qui. Dans l'émission, on a Mike, émission on a installé Mike après que Mike ne soit descendu aux États-Unis pour na kuya ko Monabana ko singa ko Monabana nenge ayaki wana. Cette émission là est sur YouTube. Émission on a installé Mike après. Va poser ma question. Tu prends soin de tes enfants? Oh oui, je prends soin de mes enfants. Va poser, ok, tu prends soin de tes enfants. Pourquoi ça s'est fait que tant au Kitine, États-Unis, au Moni Bangote? Mike a dit quoi dans l'émission? Bino mon kobo qui ne peut pas d'abord vérifier. Mike a dit quoi dans l'émission? Na komaki état bango bazara kite. Na komaki place bango bazara kite. Papi Mboma a posé aussi une question. Tu penses que la mère de tes enfants pourrait arriver jusqu'au point de refuser comme on a pas? Mike lui-même a répondu de sa propre bouche.
et je ne pense pas que Peniel peut arriver jusque je pense pas qu'à Tanaki Komona hein, avec quelque chose du sens du sens qui a ce qui je ne pense pas que Peniel à Koko Matina niveau voilà, lui-même de sa propre bouche on doit boya mal dans mon abanani azaté c'est quoi montant ou après ça qui bat n'a pas au colo bah azaï responsable était pas tant moyen après si Shada imbon dans soi après si Shada imbon les années de la pression malamment pour prendre soin à bas. Mais quand il est venu, vous allez m'excuser pour la date, je crois que c'était. Si pas en octobre, il faut Natal. Bien, on va voir que tu as un réseau sur mon nom, exactement date à publier, qui photo, date à Yaki. Et ça qui, après, Chagay avait déjà repris à l'école. C'est à Bandai qui est dans la classe, dans la deuxième maternelle. Quand il est venu, à Monibana, il a remis à Chagay $40. Ah, $40. Ce qui n'a pas aussi qu'ils viennent et qu'ils montrent même un transfert et un western, ou bien Aloba, Mbou Moni n'y a pas ça, ou bien Aloba, Mbou Moni n'y a eu tout le monde à la lia. Et Aloba Sokoko, oh maman, il a remis à Shaday $40. $40. Et puis il savait très bien qu'il ne pouvait pas me remettre ce montant-là dans ma boucle Nara. Pour n'éviter le goût de il a remis cet argent-là dans ma boko et à Shaday. Il a remis cet argent dans ma boko à Shaday. Et puis il dit quoi à Shaday? Il dit quoi à Shaday? Papa, quand quelqu'un te donne l'argent, il faut aller montrer sa maman. Il faut donner sa maman. Les enfants bien éduqués, quand quelqu'un leur donne de l'argent, ils amènent tout de suite la maman. Shaday est moine. Mamie, papa m'a donné de l'argent. Ah, ça y est, c'est même bon mot. Bamba, tata, $40. Quand mes bébés, c'est un truc à Shaday. Papa, mets dans ta poche. Hein. On va acheter le bonbon après l'école. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que Boyoki. Voilà. Tozan a droit à papel et belete. Zalam Kaliboso Benga. Et puis Zala, bref. Topé Sisiko, Mitindo, Bobenga Bisso. Tozan a droit, il y a pour répondre une minute à chacun aux poser question, nous vous poser. Peignan Amika. Tozo continue. Tozo continue, mais tout fumolanan parce que là, Tozo qui est toyo, qui est 4 heures au fan d'agara parce que Namu Peignan est l'eau, tu vas habiter là là. Voilà, Toyambi appelle Yaliboso déjà, bande de connexion, vas-y, Benga. Tozo poser, please. Une minute aux poser question, Mou Peignan répondre, pardon. Allô, Tozo en direct. Allô. Oui, allô, bonjour maman. Allô, bonjour, bonjour Trésor, bonjour Peignel. Bonjour. D'abord, je dis d'abord vraiment désolé à Peignel. Je suis en train de regarder ton histoire avec trop de larmes. Parce que quand je te regarde, je vois Jessica, ma petite sœur, que tu dois connaître de Dallas là-bas, la fille de Dr Longo. Je suis leur grande sœur aînée. Ok. Daniel, Jessica et tout. Maman, oui, Lydia, Manon, c'est ça ma grande famille. Oui. J'ai eu à te connaître par les réseaux sociaux, quand les gens t'insultaient et tout ça, tout ça. Mais je sais que Ndenge Balobaka, Ndakozo Vandate, Okweba Plasma Izutangate. Voilà. Et souvent, la relation de deux personnes, c'est toujours difficile de s'y mêler et de prendre des décisions. Et aussi, tu ne peux pas donner à quelqu'un un conseil de casser son mariage. Voilà. Mais si j'ouvre ma bouche, c'est d'abord pour le comportement abusif de ce so-called homme de Dieu. Pour moi, je ne le juge pas, mais il n'est pas un homme de Dieu. Cet homme-là doit être jugé pour avoir abusé de toi, de ta jeunesse et de ton corps. C'est vrai que tu as eu des enfants avec lui, les enfants resteront dans l'histoire, mais si aujourd'hui, par lui te taper, tu pouvais aussi retrouver la mort. Et ces enfants-là seraient élevés par où? Enis ou la soi-disant Sarah de Canada? Alors, ta décision, c'est ta décision. Mais si tu vas la pardonner, tu vas le pardonner, c'est parce que tu es un enfant de Dieu et parce que tu as eu des enfants avec lui et son sang se réside dans tes bras à cause de ces enfants-là. Mais ce gars-là, il a droit à passer sur les barreaux.
Je m'en fous de ce que les gens peuvent penser de moi, de mon intervention, mais il doit passer sur les barreaux. Parce que si Mike avait une petite sœur ou une grande sœur qui serait maltraitée de la sorte, il n'allait pas laisser faire les histoires. Il allait utiliser son grand nom d'être star avec pour venger sa sœur. Okay. Et de deux, Mike est en train de devenir, je ne sais pas moi, soi-disant pasteur, mais personne ne sait la vie qu'il est en train de mener dans son propre mariage. Alors, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Qu'est-ce qu'il nous enseigne? Je ne veux pas être trop rude envers lui parce qu'il y a les enfants qui sont là, qui sont aussi comme nos neveux, nos enfants, mais moi, je souligne que tu ne dois pas le laisser down. Ce sont les preuves de tes photos que tu ne dois pas enlever, que tu dois laisser, parce que c'est un abuse. Il dit abuse you. Il doit être jugé devant les barreaux. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Aidez-nous, s'il vous plaît. Aidez-nous, s'il vous plaît. Et j'espère que vraiment, Basalianzabe, Ozolandabiso, Potala et Loko, Bino Basalianzabe. Et je parie qu'il a d'autres relations en dehors de ça. Et ça, ce n'est pas notre problème. Il doit être jugé. Et nous allons commencer la pétition pour ça dès aujourd'hui. Il va être jugé. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, papa. Les autres côtés tellement belés. Merci Allô? Beaucoup pour le conseil. Je vous ai entendu. Merci. Donc, voilà. Tu recevras tout mon sou. Je pense que ma maman déjà va comme au silica. Allô, allô? Allô, bonjour. Bonjour. Oui, je voulais vous poser une question, Daniel. Ok. As you previously myself, bon, je vais parler en français. Parle en français, s'il vous plaît. Oui, je viens de sortir d'une relation abusive aussi il n'y a pas longtemps. Et je voudrais souvent te demander comment est-ce que, how do you deal avec le flashback, avec le souvenir quand ça te revient, how do you deal with that? Ok, merci. À tes réponses aux posées questions. Au Cathy, parce qu'il peut permettre de s'auto-recevoir à Dussou, tu peux répondre ça? Oui, je peux répondre. Oui, oui. Comme je dis, ça m'a pris du temps pour faire cette vidéo. Ça m'a pris toute une année pour m'asseoir, pour avoir le courage, non seulement d'en parler, mais aussi de partager mes photos. Voilà. Les flashbacks et tout, c'est vrai. PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, c'est vrai. Et je suis très sensible à des gens qui lèvent le ton ou bien qui font des mouvements comme si quoi, venir quoi agresser. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que quand Dieu prend la décision de te guérir, quand tu te remets vraiment, quand tu remets ta vie et tu remets ta situation entre les mains du Seigneur, la guérison et les changements et la transformation exactement viendra de cette relation-là avec Dieu. Moi, je me suis accrochée au Seigneur. Ça, et c'est ce qui m'a aidée. Voilà. Merci beaucoup, Peniel. Ça, c'est important. Toujours continuer avec Yamba. Et puis, j'allais quand même te poser une question. Pourquoi tu as accepté quand je t'ai proposé de parler, quand tu m'as dit je suis prête de parler, maman Trésor, mais tu n'as pas voulu passer par-ci, par-là, parce qu'il y a beaucoup de médias. Maintenant, là, quand j'ai dit ça, il y a des gens qui ont enregistré ma vidéo. Oh, yo. Oh, tozo sala. Oh, il y a vraiment beaucoup de gens au bazar qui enregistré ma vidéo. Oh, bazu en op, oh, bachang, oh, direct. Tu n'as pas voulu. Oh, les cas. Mais quand on y est ici, moi, je dis d'accord. Toko solo là, je t'ai encouragé. N'a pas su au courage. On habite au solo là. Qu'est-ce qui t'a poussé? Tu penses que n'a mérité pour nana n'a y est en gros, ou bien n'a pas su au courage, ou bien et l'on y est sali au pondi, mais peut-être n'a y est. Premièrement, les gens peut-être Bateau, Baye, Sima, vous ne connaissez peut-être pas la relation de moi et Maman Trésor. Maman Trésor, c'est ma tante, c'est ma famille. Le mari à Maman Trésor, j'entends Jean-Paul, que je salue, que j'aime bien, c'est mon oncle. C'est le frère à ma mère. Donc, je ne me sens pas, parce que tout ça, la paix vidéo, ah, Vanda, je suis chez mon oncle à la maison. Bien sûr qu'il y a des caméras devant nous et tout ça, mais je me sens à l'aise parce que je suis en famille. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est quoi? Le mariage de Maman Trésor à mon oncle, ce n'est pas son premier mariage. Maman Trésor est passée par un autre mariage. Elle est passée par une situation difficile aussi avec son ex-mari. Et je me suis retrouvée dans son histoire. Je me suis retrouvée en elle. Je me suis sentie en sécurité avec elle. Pourquoi? Parce qu'elle comprend. Non seulement qu'elle comprend en tant que moi-fille, non seulement qu'elle comprend en tant que maman, elle comprend en tant que quelqu'un qui a vécu ça et qui a pris une décision difficile. Non seulement que Azab
la bastus nous sonna pe à sa personnage pe public. Elle a eu à vivre maloba yaba tout ko finga yaba tout, donc elle comprend, elle sait. Donc c'est quelqu'un oh y en a loba qui pe ce qui n'a vendu naï, c'est quelqu'un qui pouvait aussi me guider avec des questions, à quoi qui pe ko c'est qui s'enga m'aider à me détendre et tout. Et le troisième point, je pense que c'est le plus grand point pour moi, maman Trésor et mon oncle, leur mariage, pour moi, c'est un exemple de, du rachet, en fait. Maman Trésor est venue d'un mariage très, je peux dire, problématique et très, donc pas bien du tout. Mais quand je la vois avec mon oncle, parce qu'ils ont déjà duré dans le mariage, donc on ne va pas aller les loter. Oncle n'a rien fait à oncle à l'obilobité. Donc il est mon oncle, vraiment le frère à ma mère. Donc quand je vois leur union, quand je vois comment Dieu peut restaurer la vie d'une femme, comment Dieu peut restaurer le mariage par elle et par son mariage et son foyer avec mon oncle, je me suis dit, you know, il était aussi temps d'en parler, mais je ne savais pas, j'allais commencer par où, je vais le faire avec qui, bah, journaliste, mais avec maman Trésor, c'est facile, ça coule comme de l'eau. Voilà. Merci beaucoup, Peniel. Merci parce que fallait quand même qu'éclaircir au bateau pour abandonner au bar, hein, la question piège et tout, mais c'est ça qui est quand même courage parce que tous à pour la divorcer. Nous sommes là pour t'encourager divorce. Divorce, c'est bien, surtout pour nos bateaux, aussi kalanabana. Divorce, c'est le mot yamabe ou éco détruit le moral na yo. Mais moi, j'ai compris que je préfère encore na garder vie, na garder vie yabana na ke na koufa. Donc ke na koufa. Ma violence yaboye enceinte kobe taboye. Non. Tu préférais peigner la zalan vie. Ba finga ba loba nyonso ba koki loba mais tozala na peniel te atika bana na ye parce que le longa na za bana ona ba benga nga koko na prendre soin na bangonde mama na bangozo ate ça non alors tu préférais que peniel azala en vie que peniel azala te donc là tu fumole sous téléphone to meka ko yamba bande ko na so please tango bengi zala mukuse pardon de balba prière en mukuse zala mukuse pour to mona moyen ya ko hein amen ya allô nazo benga mulo kwete oui toza en direct tozo benga nga pona le camp privé to ningo participer na émission Nalina participer na émission voilà tozo ka yo mama mulo ko na biso merci là. Eh, ah, Peniel Nangaï, je manque même des mots, yaya. Mais le coca n'a rien à l'ouba. Osamoua la moto, osamoua la nyamate, je m'en fous de Mike Kalambay. Ma photo est publiée. Il y a ça pour l'Amérique. Soka y est assis, portez plainte. Pour un autre, la yonan. Et maintenant, t'as ma tique, viva, ndouba, si ta photo. Mais là, il la photo, là. Je calambe, il y a ça dans l'Amérique. T'as ma photo, maman a biso siliki makasi. Maman siliki makasi. Alors, maman la biso le quoi siliki. Aozong la biso, je crois bien. Merci maman. Peniel Ayoki. Ok, tous les sous appel. Zambé. Allô? Allô? Yes. Yes, c'est possible de passer mon direct sur l'émission, n'est-ce pas? Oui, papa. On vous appelle comment? Ouais. On m'appelle Domi, j'appelle de Lexington, Kentucky. On a une intervention à l'arrière, on a une connexion. C'est un peigné. On a un je crois qu'on a un pasteur. Bibli est saigné pour lui, mais ça nous fait des craquilles. Souvent, par la vie, les oreilles vous parlent pour le meilleur et pour le pire. N'importe qui m'a aidé. Après ça, la vie, ça m'a bien, complètement, c'est ça m'a bien, même pas, ils ont réprimandé. La loi, mais je crois que la Kimbo, dans le moment de la Lingala, ça serait mieux qu'au bout, peut-être, la Kangou, parce que les voies exposées payées. Il y a un groupe de pénètes exposées. Ça serait mieux pour Tiganyo, sur le Boganza, mais le roi va avoir la carte juste juge. Il y a des Akata Makambo, il y a des Asa. De sa part, à Kamala Kandaté, pour soi, comme il est Kanda, nous avons vraiment la guinée. Alim Samyansu, Mambé, 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 Mambé,
Merci beaucoup, papa, c'est très gentil. Merci beaucoup. Papa. Voilà, tu as compris. Bonne année, papa. Voilà, j'ai compris. Voilà. Allô? Allô? Oui? Oui, je vous appelle à partir de la France. En fait, moi, j'allais juste demander, Daniel, elle n'a pas parlé à propos de ses blessures. Non, elle a parlé. Il y a moi l'un des violences conjugales. Je ne peux pas encore expliquer. Ah, comment et à qui? Pourquoi ma bête a qui est? Ok. En fait, ma bête a qui est, elle a expliqué, c'est en fait, il y a la photo et à qui. D'accord. Donc, ici, c'est déjà 4 appels. Bon, quand elle est bisous, tu as un 10, tu as 4, comme ça, à expliquer. Merci beaucoup. Voilà, il faut expliquer comment Babé est Takio. Allô? Allô? Oui? Is this mon logo? Et ça, mon logo, il y a toqué l'inga la français. Is it this ça, il y a sous Babé? Is it this ça, il y a les gars sous Tébité, il y a un fan de la Kimetra. Dis-moi, volume, il y a TV, il y a maman, pour tout le bien. Voilà, elle est partie. Donc, allô? 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 Allô, bonjour? Oui, bonjour. Dîner, volume, il y a étrange, Nayo, maman, pour toi, merci. Oui, bonjour. Moi, je voulais vous dire, c'est que même moi, si c'était parti, j'avais jugé trop vite la situation quand c'était sur Instagram. Je voulais juste demander d'abord pardon à notre soeur Seigneur pour tous les jugements que les gens ont dit sur Instagram, sur les réseaux sociaux, tout ça. Bon, moi, l'histoire d'écouter depuis qu'a commencé le live, ça fait vraiment mal au cœur. Moi-même, en tant que jeune mariée, je suis comme en larmes. Et courage à elle. Merci beaucoup. De pardonner à chacun d'entre nous pour l'avoir traité d'une façon des choses que nous, on ne connaissait pas, on ne voyait pas. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, maman. C'est très gentil. Merci. Allô? Bon, dis-moi. Oui, allô, papa. Dis-moi, volume, il y a l'écran. Non, moto, au bien. D'accord. Bonsoir. Bonsoir, papa. Ok, j'ai du mieux le volume de la télé. Pour moi, question en est là. Bonsoir, Péniel. J'appelle Fabrice. J'appelle depuis l'Angleterre, maman, j'espère. Ma question en est là. J'ai suivi votre émission. Bon, tout par rapport à Tissi, elle a parlé sur ma cambouille à violence conjugale, oui. Mais par rapport à Tissi, parce que ma acte, M. Stoïbi, il a dit par rapport. Il y a pas loge, il y a pas magie. Tout le monde, est-ce qu'il y a là qui moi si un frère Mike Karambay, est-ce que à côté là qui dans ma camoufle il y a Tissi. Elle a parlé car la souris pas la naïe sur violence naïe, mais sur spiritualité à mon pas naïe. Je pense que Victor a été peuple de Dieu. Deuxième préoccupation dans l'aïe. Tout le monde, ma camoufle, écoute, là qui moi si un frère Matou Samuel, ma soeur Péniel. Oui, puis que Téné va l'ignorer, va dénoncer. Si vous dénoncez viable, il y aura des répercussions. Par garde fournir ni au Yotier, quand vous répercussez vos alas, vous allez sauver. La paix sur mon côté, par le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Ça, il faut que tu. Ouais, que je réponde. Oui, comme je dis au début de la vidéo, je dis que je parlerai de choses que je maîtrise. Voilà. Et je dirais que la vérité. Exactement. Na Oezo concerné Kissi, na Oezo concerné Baloge. Si Mike est dans tout ça, là, je vous dis, avec un cœur sincère, nous n'en avons pas en beauté. Mike ne m'a jamais proposé au nom de Simba Boué, tout ça la boué, tout ça la boué. Si Yemoko, je ne sais pas. Mais, je ne l'ai jamais vu avec, comment on appelle, Gris-Gris, mais aussi, je n'étais pas tout le temps avec lui. Il y avait beaucoup de choses qui me cachaient, alors...
na entendement nanga na connaissance nanga makambo ya kisi makambo ya bongo nga na yebi yango te. Pour de répondre à la deuxième question, c'est aussi pour donner une petite réponse aussi na papa ali bosso ou à Bengaki à partir de l'Europe pour dire que le papa qui vient d'appeler a un peu contredit et le Kohana a dit qu'il y a des choses qu'il faut dénoncer. Voilà. En tant que moi, Nzambe, moi, je sais à qui j'appartiens. Naebi que Makamunazoloba, je ne le dis pas avec un cœur plein d'amertume. Je partage mon histoire, je partage l'Ikamboyo pour essayer un peu d'ouvrir une conversation dans notre communauté pour la Makambo, parce que ce sont des choses que nous laissons aller trop dans notre communauté. Il y a d'autres liens qui se brisent par les dénoncements. Voilà. Il y a d'autres choses qui s'arrêtent quand quelqu'un avec le courage se lève pour dire non. Exactement. Et moi, en tant que moi Nzambi, dans un tambo Nzambi, mes enfants sont couverts. Mes enfants sont protégés. Moi-même, Peigné, je suis protégée. Et naïve que ma kamunazo sale. Naïve que ma kamunazo le veda d'abord de 1. Le goutate. Pour ceux qui ont le goutate, je m'expose spirituellement. J'expose mes enfants spirituellement. Et je ne suis pas aussi bête de raconter des faussetés ou de raconter des mensonges et ouvrir cette porte-là au diable et que mes enfants soient là. Exposé à l'attaque ou bien que ma personne soit exposée à l'attaque. Wow. J'ai pris les garde-fous nécessaires dans ma propre vie spirituelle. Dans mon tosolo là qui est vidéo, avant tout c'est décidé que oui, je suis prête, je vais faire cette vidéo. Je prie le temps dans la prière. Je prie le temps dans la prière et j'ai vraiment cherché la face de Dieu. Et bon, tout balobara, peut-être pourquoi now elle se croit qui pour parler. Ok. J'ai l'expérience que j'ai, Nalibalo, j'ai la plateforme que j'ai, j'ai donc le following que j'ai, là, ma maman, balananga, et là, ma jeune fille, balananga, d'autres qui aspirent au mariage, d'autres qui ont besoin de ce genre de conseils, peut-être pour la maman, on a à vivre, bah, on peut pas aller kananangote. Dieu ne m'a pas donné un following, il m'a pas donné du renommé pour que je mette des belles photos sur Instagram seulement. Il m'a pas donné du renommé pour que je fasse seulement des vidéos sur la chaîne YouTube. J'ai un appel. Et je l'assume. Voilà. Merci, Makambozo, le bazar qu'on assume et un mot. Donc, Tozo, continuez, Nano. Nano, pour Batu Bazar, vraiment, on a besoin de Batu Bazar, c'est ce c'est vrai. Pour Penel, bah, traiter de tout. Donc, là, Togo, bon, Mante, Togo, Maché, bah, Mote, bah, traiter, ça, immature et tout et tout. Allô? Allô? Oui, papa. Merci, merci pour le courage pour l'enseignant. Merci. Je pense que ça qui est ici, à l'opaca, c'est parce que je suis en patrie, mais dans l'objet, c'est à l'île, à l'eau la thérapie. Voilà. À l'eau sans la thérapie, parce que ça n'a pas quoi, c'est comme ça que Romana, ils l'ont envoyé, et à Banda, à tout le monde, qui a permis de payer à l'opaca. Voilà. Et ensuite, je dis à maman, je suis en train de apporter ici sur le plan parce que tout ce que c'est bien, c'est vraiment très bien réfléchi, c'est bien. Alors, quand je suis en train de comprendre, je suis en train de me par rapport à maman, je suis en train de me faire. Maintenant, je suis par rapport à l'école, je suis en train de me faire. Alors, comment mon père est en train de me faire comprendre? Après, mon père est en train de me faire comprendre, je suis en train de me faire comprendre. Je ne sais pas. Alors,
Aucun conseiller à ses côtés. La plupart de ces gens, ses secrétaires, ses sambas oyo, batinda ba recevra ba mbongo, basili souso bazotine la Mike, ils n'envoient pas l'argent au nom de Mike. Bazotine ba mbongo, basili souso bazotine la ba mbongo, monsieur Souana. Ils n'envoyaient jamais l'argent à Mike, parce que je voyais tous les transferts, na ba bleu, monsieur sur le téléphone. Ils envoyaient au nom. Il y a secrétaire Nabanini. Il est entouré de gens hein, qui sont des profiteurs et ceux qui. Des gens. Attends, Mike, salut ma belle. Parce que ça sera. Nabotouchon, quand je vais expliquer l'affaire de la violence conjugale, il est entouré de gens qui. Do not hold him accountable. Je ne sais pas comment dire ça en français. Il est entouré de gens, des yes men. Donc, au mieux, son mec a pour ça le yes, amen. Oui, amen. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Profitez pour expliquer Bissona, non? Et là, on y a sala qui que Mike a beto tina point wana. Et là, on y a sala qui pour Mike a beto a comme ça tina point comme ça, tout quand tu as un beau téléphone et comme une moto. Ouais. Donc, en attendant, va tirer la Bissona en haut d'un charge pour et comme une moto. J'aimerais aussi dire quelque chose. Je ne veux pas. Que vidéo et l'humanité la peignel je suis parfaite naliba lango nazalara ce qui n'est mais je pense que si une femme parfaite dans son mariage a 10 je pouvais être même 7 et demi et je n'aurais pas donné l'impression qu'il y a un abéreur t dans un abéreur dans un moutou il y a des fois encore le bapeli kambou et tout, tu manques à quelqu'un du respect, mais jamais, je n'ai jamais fait quelque chose qui a mérité les choses que moi j'ai subies. J'aimerais juste que vous voyez la parenthèse. Et là, il s'est dit que Mike avait été les solos c'est tellement banal et bête, mais il y a quand même, par rapport à la narration sur Instagram, pour moi, il y avait une vidéo de Mike et Shaddai, Babandai Kobi, na prestation Moko Boye à l'église. Comme, c'était comme une fête, c'était pas vraiment une prestation et une prestation. Mike a invité Shaddai, il a donné à Shaddai le micro Moko qui n'était pas branché, à Yembana Papa Naye et tout. Alors Shaddai est un bon danseur qu'il est, un mignon garçon qu'il est. Je t'envoie des gros bisous, mon aîné, maman t'aime. Il était là sur scène, Azoye Mana Papa Naye. Il faudrait qu'il parle de danse Moro Boyo et Makineti danse à l'Okolo de Fali. Alors, moi, quand j'ai mis cette vidéo-là sur mon Instagram, ma Kalisinama et Kenaye Koutouplace en athée. Moi, je me suis dit que, évidemment, on a Moko qui a de la joie d'être sur scène avec son papa et tout ça, tout ça. Quand on a eu le tien en gros, on a eu le constaté, ah, bah, tu as le et tout. On a peut-être eu la banalisé dans la bête dans la Mais là, c'était quelque chose qui avait énervé Mike. Mais comme
il n'avait pas dit d'enlever la vidéo. Il a dit quelqu'un en caca. Mais c'est quelqu'un qui fait pardon. Je lui ai expliqué que ce n'était pas avec cette intention-là que j'ai mis cette vidéo. Mais quand c'est comme ça que ça a été perçu, aperçu, l'imbi samraï. Mais malgré la signe qui pardon, Atikala na kanda, il était très, comment dirais-je, nerveux, tout ce que je faisais, le frustré. Et toi, alors, donc, comment dire qu'on évite, mon mouquet, parce que c'est quelqu'un de violent, abetaka. Et comme Nandakine avait mis, je me suis dit, et puis c'était la première fois dans la grossesse qu'il m'avait tapé. Nazemi à Zion, moi, il a qui 5 mois de grossesse, c'était la première fois Nazemi. Ou Abeta Kinga. Mais Abeta Kanga. Mais Nazem, c'était la toute première fois. Et la toute dernière fois. Alors, il y avait une nuit, pour la Baro Bavan dans la Kishasa, en 2018, il y avait un samedi à Inga. Il y avait un samedi à Inga. Alors, plus surtout, Baba et Kouvan dans un quartier Moro qui s'appelle le quartier Bouvan. Na bovon ana to dara na pouron moko très stable, mais très stable. Ba ou bavan dara na bovon ba yepi. On restait là-bas quand on était d'abord à UPEN. Quand on était encore à UPEN, to kita. Quand on était encore à UPEN, to dara na groupe électrogène. Mais quand on est redescendu à Lingwala, au bovon, groupe électrogène, on a to bando fer et lambo de toek koukabango. Mais quand il y avait un incendie à Inga, donc, comment est-ce qu'il y a une période de délistage, comme tout le monde a dit, nous avons un moment courant qui est groupé et vaté. Et on ne voulait pas aussi acheter groupe parce que Ezaki panne. Ezaki panne et il était en train de gérer ça au niveau de Inga. Maintenant, Ezaki, il y avait eu une nuit là, Nabutu, la nuit de l'attaque, parce que c'est ça, c'est Ezaki attaque, la nuit de l'attaque, courant et Yaki Kokende. Courant et Yaki Kokende, vers 1h du matin, vous voyez. Mais je n'étais pas à la maison. D'ici quand j'ai raté, tout n'a quitté. Parce que I did not want problems. Parce qu'il était déjà fâché à cause de la vidéo là qui circulait sur les réseaux sociaux. Alors il est rentré à la maison vers 2h du matin. Courant il avait quitté. Tant que courant il avait quitté, Chana avait peur dans sa chambre. Il est venu, il a toqué la porte Sandra. Il a demandé s'il pouvait dormir avec moi. Nandim Nara, Nazi bébé Nara, il est venu avec moi sur mon lit. Tant mon courant yaki kokende, Nazaki Nama va torche à Mike Mike, et puis Nazaki plein un ventilateur mon corps qui travaillait avec la batterie. Alors j'ai pris ces ventilateurs là, na tchango, na pembe nyambe tout, poto là. Parce que le ventilateur on a, et moyen et coma, na côté nana yambe tout, ils allaient quitter. Alors qu'est-ce qui s'est fait? Moi et Shadai, on dormait, nambe tout place normalement, Mike à la laka. Ok, je ne pensais pas que ça allait poser problème parce que il fait chaud, tout ça n'a qu'il, il fait chaud, dans un zemi, 5 mois, je me sentais déjà étouffée. Vous avez vu dans un moustique qui a Kinshasa Bazalaka, malgré que j'avais ouvert la fenêtre, il y avait les moustiqueurs et tout dans la fenêtre, mon pépé Zadi Pendate, ce qui m'aidait quand même, c'était ventilateur, il y a batterie. Alors, moi qui est revenu à la maison à 2h, on a allé dans la chambre. S'il vous plaît, j'aimerais couper ta fête dans le fait qu'Alain m'a quitté. Il n'était pas non plus Amila qui peut dire bah, mais il n'est pas quelqu'un qui prend de la drogue et qui prend pas, il ne prend pas de l'alcool. Alors, normal, il s'est changé et tout. Et il m'a posé la question. Tant à fond là, qui porte ta chambre, Nayoka qui est, j'étais un peu en train de polar là, mais un peu aussi présente et tout. Et il m'a secoué un tout petit peu, il m'a dit pousse-toi, et de là à côté n'a rien dit. Il m'a dit non, chérie, il n'y a pas moyen, parce que d'un côté on a mon pépé, et Coco m'a dit, et je ne saurais pas, je me sens déjà étouffée. Et c'est comme ça, ouf, excusez-moi, mais celui-là a bien été. Alors, je vais boire un peu de l'eau. Ah! Bien, Mike. Ok, tu peux s'appeler le temps. Bon, excusez-moi, je vais vous continuer, tu peux s'appeler le temps, mais quand même, vous bien expliquer comment va commencer qui est bon, de manière où la qui est pénible. Il y a un peu de temps.
continuer quand même pour ma ACK, pour Atensama et Miss Souté. C'est vraiment une femme forte. Oh, photo soutenir ma maman et puis le papa. Merci beaucoup pour ma intervention, Nabino. Voilà. Ouais, j'apprécie beaucoup. Mm-hmm. Merci. Alors, Aïe, oh non, il a insisté. Pousse-toi, Kendo là, à côté, n'a rien à me. Parce qu'on a un moment un peu étrange, quoi. J'ai discuté, j'ai dit non, mais attends. Je t'ai dit que je me sens étouffée. Ventilateur et coco, ma place on a été. Donc, ventilateur, il n'y avait pas moyen de déplacer le ventilateur et coco, ma place on a. Ventilateur et coco, ma place on a été. Je me sens étouffée. Naza, nazemi. C'est pas comme si Nazaki n'était pas normal ou ce qui n'est pas, ça va capousse. Non, je suis enceinte. Il fait chaud. On a kin. Alors, c'est comme ça. Shaddai était dans mes bras. Azui, Shaddai. Alors, on dit Shaddai dans ma peau, on a. À na quoi un bête à saliner comme quoi italien mais maman italien des bâtiments à tout dit côté et quand il a fait ça quand il m'a agressé quand il m'a pris ça m'a choqué dans une ma colonne à ma beaucoup n'a pas la tindiquée je lui ai demandé qu'est-ce qu'il y a tu m'agresses je suis enceinte n'a j'avoue j'étais la première personne qui était dans une tindiquée dit non qu'est-ce qu'il y a tu m'agresses et c'est comme ça qu'il m'a répondu Peniel, Wananin, Olio Bundisama, Olio Betama, il a lâché. Il a lâché. Il a commencé à me taper. Il a commencé à me taper. Il m'a tapé pendant peut-être une heure du temps en présence de Shaddai. En présence de Shaddai, s'il vous plaît, retenez le fait que Shaddai était dans la chambre. Shaddai a Mona Likambuyo. Shaddai à l'époque avait 3 ans. Aye Binyosu. Il y a des choses, hein. Il va grandir avec ce souvenir-là. Pas le verbe parfois, comme il y a d'autres personnes dans tout le monde. Qu'est-ce que tu expliques à Shaddai par rapport à la séparation de lui, de toi et son papa et tout. Shaddai a 4 ans, il aura 5 ans dans 2 mois. C'est un enfant qui réfléchit. Il a la pensée, il a la émotion. Et quand je parle avec lui, quand je l'ai parlé pour la toute première fois, il venait d'avoir 4 ans. Il sait que papa, moi et papa, on n'est plus amis. C'était comme ça que je pouvais expliquer ça à Shaddai. Parce qu'il ne comprend vraiment pas la notion de mariage et tout ça. Mais il a ses amis. Il a vu que ceux qui sont à Tombo, qui n'école, ceux qui sont à Fili, qui disent tu n'es plus mon ami, sur la réussite, très la réussite, ensemble. Alors j'ai expliqué ça d'une manière dont lui pouvait comprendre. J'ai dit papa, peut-être tu ne vas plus commencer à voir papa, parce que moi et papa, on n'est plus amis. Shaddai ne m'a pas demandé pourquoi. Il n'a pas le but, ce qui est limité, il m'a juste demandé, maman, c'est parce que papa t'avait tapé. Qu'est-ce que tu vas donner comme réponse à quelque chose comme ça? Shaddai à l'église, sur la même classique. Comment ça? Papa m'a dit, tape maman Peignet là. Oh my god. Oh, encore ban. Tape maman Peignet. Encore ban. Il a tapé avec la ceinture parce qu'il y a d'autres. Parce qu'il m'est tapé avec le. Il m'est donné des coups et puis après il a pris la ceinture. Il a dit, il tape maman Peignet avec la ceinture. Bah, on la ceinture. Ouais. Oh my god. Elle dit, il prend la ceinture, il tape maman Peignet. Tchop. En tout cas, vous comprenez. Mais j'aimerais quand même continuer un tout petit peu. Naval Darana pas touché moi à la maison. Joël Nassina Bengana Kaye, après, pendant que mon Yasuana, quand j'ai découvert que c'est une petite sorcière, je l'ai chassée de ma maison. Mais j'avais quand même d'autres musiciens. Il y avait Esaïe, le chantre. Pour qu'elle ne sache que Nenge Makambo et Zoli Kanabou et que je ne vous porte pas à cœur. Je vous aime, je vous salue. Esaïe, Shadrach, ma sentinelle, Marcel. Je ne sais pas, à Kinshasa, bien sûr que j'étais dans des situations difficiles, mais j'avais des gens, des anges autour de moi. Et parmi ces anges-là, j'avais mon domestique. Mon domestique, c'était un homme, Papa Paulin, que je salue, que j'aime beaucoup. Marcel, ma sentinelle, son petit frère aussi, un homme. J'avais pas vraiment des dames qui travaillaient chez moi à la maison. Ma sentinelle, que je salue, Marcel, Kimbang, je t'aime bien, la paix sur mon beauté. Shaddai te demande aussi souvent. Nambabat et Labino, ils étaient venus dans la chambre quand ils ont entendu l'attaque et ils ont tout fait pour casser la porte. Bakota, Babini, Sangai. Ils ont tout fait. La porte de ma chambre et la porte mon orco. Tellement que je suis un peu caché et tout. Moi, je suis dans la chambre. La porte mon orco. Je suis agressé en gros.
et qu'au fond on a peine difficile et puis ils a qui va genre va chambre va carrément la clé va carrément la clé et Mike avait bloqué la porte avec la clé, il a mis la clé dans sa poche, donc il m'est chicoté et il y avait pas moyen que quelqu'un entre. Il m'a tapé jusqu'à ce qu'il s'est fatigué. Il s'est allongé, a poussipé le ventilateur pépé ninaïe. Tellement qu'il avait transpiré, il était fatigué après avoir tabassé. Poussipé le ventilateur. Et puis il faut que ça vienne qui est au bombi parce que Peña la bandeira qu'on saignait. Voilà la photo, ça a tout chaté. Dans les blocs, et qu'on relaxe à mater, à bêter jusqu'à tel point que. Non, il m'a pas expliqué quand même. Ouais, donc je commence à saigner. Et lui, il s'est endormi. Avec une aïkunate, j'allais toujours dans mon tour en bête avec des larmes. J'allais n'avait donc attaque au pémanaï et ben avec Oyo Kanate. Je pense que cette histoire là est choquée et bannissée à un niveau. J'allais ne réagissait pas. Je voyais que de larmes qui coulaient, que de larmes. Alors, Mike avait la clé de la chambre dans sa poche. Mais il s'est fait aussi que j'avais un sac dans ma chambre là qui avait mes clés réserves de toutes les portes de la maison. Alors, on avait dit qu'on avait dit que tonton avait dit qu'on ronflait. J'ai ouvert la porte pour Nabima. Il y a Shaddai qui m'a supplié. Il était là en train de chuchoter parce qu'il ne voulait pas réveiller son père. Il a dit maman, je peux partir avec toi. Maman, je peux partir avec toi. Il expliquait papa, je ne traîne pas. Je pars vite. Je vais aller m'occuper de ton petit frère ou de ta petite soeur parce que Nayeba qui l'a noté sexuellement et je reviens pour toi. Je veux pas te laisser, je reviens pour toi. Il m'a demandé promis. J'ai dit promis, je reviens. Je laissais Shaddai et j'ai commencé à pied pour Bandal. Bandal, pourquoi? Il y a ma soeur que vous voyez sur Instagram souvent, c'est aussi une cousine, Rachel Chibangu, qui est maintenant Madame Boyo, la star de Jesus, you love us too much. Sur mon Instagram, elle vient de se marier l'année passée, en mai 2019. Elle est aux États-Unis, mais sa famille est au Congo. Et c'est le seul endroit que je savais comment arriver, à qui sans un chauffeur ou bien sans que quelqu'un m'indique. Et c'était la seule famille que je savais dans le Congo comme elle a. Na ma direction là, parce que ma mère était à Kinshasa pendant la même période, mais ma mère était d'un côté à Bagombe. Je savais pas comment arriver et il y avait pas de transport, il était 3h du matin. Mais Banda, à partir de Lingua là, au Dukara, au Beti Karaboui, dans le monde à Kolo, Komina. Alors quand je marchais, il y a les garçons qui avaient appelé une amie mutuelle qui m'a suivi avec sa voiture et qui m'a pris dans sa voiture et qui m'a amené reste Yandé là. La bandage chez ma tante, et c'est chez ma tante qu'on m'a pris cette photo là, ces photos, toutes ces photos ici. Elle s'est occupée de moi et tout. Voilà, les équipes à 3h du matin, à salut à Koukaki Koussa, la Pounama, elle a prié pour moi, elle m'a donné des conseils. Je me suis endormie, je crois, pour une heure, on a payé mon métier. 6h du matin, je suis rentrée chez moi à Lingua là parce que j'ai laissé mon enfant. Je ne pouvais jamais rester longtemps loin de mon fils. Tant que je savais ce qu'il venait de voir, on a évité. Mais je dois rentrer pour mon enfant. Voilà, c'est un peu ça. Elle a tout expliqué. Vérité, Oyo. Il fallait qu'il y ait mis sa mopo à changer. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup de mamans au fanda, au lobakengai, au fanda, dans le fan de la banane, dans ça, au kokoufa. Tu dois perdre ta vie au tiki banana yo. Ouais, j'aimerais juste insérer Batbazo Loba. Pourquoi quitter, pourquoi pas pardonner? J'aimerais que vous compreniez que dans cette situation, c'était ou bien Peniel ou Vandi na Libala et que tu risques la mort. Ou bien ok bah tu vas confier à yo bah tu vas coloba ou bah tu vas coloba mais quand même au titre de l'envie, voilà, c'était le divorce ou la mort. Voilà, donc les amis locaux bah tu vas au coup t'as un amour belé bah tu vas moi tout mon côté famille mon côté bah quoi permettre moi là bah moi divorcer et puis moi si mon côté à quoi on dit mais en a pas dans la ma beaucoup à qui ne souffrir ailleurs alors
ba violence oyo, il y a beaucoup de femmes bazo vivre na makambo ya ba violence oyo. Ba violence oyo ba mama ebele ba souffre na omisusu ba kufa il y a de près. Au moins la moi si a kufa Nicolas violence amba abeta keti jour tout abeté à l'agonie to mona na ba kin makambo, to mona na ba YouTube mambo ezali mutu ba betiti à l'agonie a kufi et puis okay ka bon au père, tu laisses tes enfants, moi c'est nous ça iko enjoy voilà. Arrêtons babiloko yake muta ezaba violence otozo mona oyo to mona ki nani Vachel la fille enza beti titi ta katiti na mbeli abomi donc ta comme na niveau derrière ko papeti ko tena congelateur c'est quand elle déjà obeta e faut faire très attention le maman to bandaka ko condamner brisque bo to monika mwana mutasali likambo o a cause la pe mwana no linga oyeba quand même qu'est-ce qui s'est passé nani mwana se comporter ngai naza parmi ba basela la peine l'émission. Oui, dans cette émission, on a dit, oh, Peigneur, on s'est comporté, ma vie, aux impolis, comment qu'on s'en a boule. Nan, nous, Peigneur, on a quitté parce que Peigneur, nous, on connaît, avec un ziplock, on a dit, à ce bout, à Koulouba. Si on tourne, on a dit, on a répondu à un message, on a dit, oh, 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 jusque là, na yo mon habité, oh, comme une femme dans la gagne, oh, moutazo l'obate, yo papa moutabata, mais à l'écure, on a maëlle, n'est-ce tant ou yé, mon quoi, comme il prête, abandon, on a besoin de comprendre, t'es ma camo, et vous choquez, je crois, famille, bazade, a choqué. Même oncle Nao, azote aime sa maman et misou, n'habite côté papa la maman va osoué l'amour, n'habite côté famille va osoué l'amour, parce que bon infidélité peignelle à Koka qui kotika moubanite, parce que moubanite est plus loin que la latina de quoi peignelle, à sa la moté. À sa la moté, et zapo na kaka peignelle à boy kotika bana neba la mikebo, ba peignelle, ba parent et peignelle, si le loba ensemble. Bazo mona ba monde ba kola lo Peniel n'a pas voulu laisser ses enfants orphelin pour mutu moko prendre soin ya bana ya ya muninga neti mama na bango azate to continuer na ba tête please vos ala mi couser pardon to ça est à 3h du temps. Ah allô allô oui mama na yo na ko gate ya 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 zala mo mukuse pesa message na yo tozo ka ba baza en ligne terme belé et tout ça la téléphone est comme saturé ya mwana to pe message. OK maman en direct. Oui oui. OK en tout cas même là on est naï dans cette à combo là en fait là na dala ma combo le dossier de consentement là ngai. OK Alors,
likambo tenir à Mike Ambay et ça te que non nous avons songa mba pongsa non Mike Ambay il a été choisi par des diables pour nous remettre sa vie à Batou a changé ta botama na mo akola na mo a kufa na kinduma na ya alors premier a zo mérité mon bali o a honoré a pesé valeur par rapport à ma qualité o ya za na mo a za ba qualité et là za na mo na za bomo a mis des copains d'abord de Kitoko déjà c'est une bonne chose. Maïe la zan en mot, André Naya Yebi, a sa la patience, a rose mon bail, ou a honoré. Maïe Kambaye, pas raisonné, écoutez, que nous, un jour, bonjour, maintenant, Maïe Kambaye, diable en personne. Voilà. Merci. Merci beaucoup, mon frère. Merci, tu as tout dit, hein, tu as tout dit. Il y a Balobi que vous avez tous en nom, Bateau François, Babin, dit trop. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, papa. Oui, Namibou, de Belgique. Oui, papa. Oui, juste pour vous dire la peine, quand M. Stoadé Colano dans les réseaux sociaux et la fin d'émission, là, on appelle la fin de Miami. Et donc, il s'agit d'une phrase où tous les gens ont battu pour une société qui peinait, pourquoi elle est réalisée comme ça dans les réseaux sociaux. Mais disons, pour nous qui vérité, la fin de Miami, moi, je m'apprends dans la fin de peinait, pardon. Dans la fin de peinait, pardon et courage. Et sa force, voilà. Merci beaucoup, papa. Que Dieu te bénisse. Merci. Allô? Allô? Oui? Oui, allô, j'appelle à partir de Londres. Oui, papa, on vous écoute. Ok, vous êtes allé, je suis en ligne, là. Yes, papa. Mais il y a quelqu'un qui a l'appel, là, parce que je voulais parler. Il y a beaucoup de appels, papa. Il faut seulement parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui appellent, donc le téléphone est même saturé. On vous écoute. Même maintenant, je vais vous encourager parce que dans un message vraiment très clé, il y a pour se relever, il y a pour encourager une de vos amis opinions. Voilà. Par exemple, nous qui nous donnons vraiment de la santé, maman. Ok. Michael, à mon tour, a porté plainte, premièrement, pour la première tête, il n'y va qu'en aller. Et puis, il y a un homme qui nous a dit qu'on était à tout repéter, nous voulons l'envoi. Waouh. Ça pose un peu de temps. Bien, à la libre chérie, donc là, ça va n'y être une question avant d'appeler télé. Okay. Alors, la caractère, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, quand on voit Michael, et quand on voit la route, parce que maman, parce que pour qui, comme on l'a dit, alors il y a un peu de temps, mais on s'en a pas, tout dans la canne, puis surtout, dans la canne, va se rendre, pour bien tailler dans le monde fini. Donc, alors, on va se faire un peu, parce que nous sommes là, nous sommes là, contre la croix. Parce que maman, elle ne parle pas comme maman. Azolka, papa. Azolka. Merci. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, papa. Allô? Allô, bonsoir, bonsoir maman Mbopo et ma soeur Peignet. Bonsoir Séné, j'appelle de New York. Voilà. En tout cas, j'ai le cœur brisé lorsque j'ai suivi votre témoignage, hein, si je peux appeler ça comme ça. Ben oui. Hein. Oui. Et en fait, j'ai pas vraiment une question, plus un mot d'encouragement, ma soeur Peignet. Ça se voit que tu as enduré par rapport au témoignage que tu nous as donné, que tu as vraiment enduré, tu as supporté, tu as subi. Et la violence contre la femme, c'est vraiment quelque chose que nous déplorons. Peu importe la culture, peu importe le pays, peu importe l'endroit. Jamais on devrait accepter la violence contre la femme. Aujourd'hui, les gens veulent justifier que oui, les gens se marient et les hommes trompent leurs femmes, ça arrive, oui, les femmes restent dans le mariage et tout ça, ok. Lorsqu'on passe l'étape de tromper et qu'on arrive à l'étape d'abus physique ou moral, parce que là, non seulement tu as été abusé physiquement, mais aussi moralement. Exactement. Oui, parce que là, maintenant, il y a la peur qui vient s'installer, tu ne sais plus, tu n'es plus en sécurité, tu as peur. Tu as pris le billet d'avion, tu l'as fait derrière son dos parce que tu avais peur. Tu devais quitter là où tu étais.
tu n'étais plus en sécurité. Lorsque la femme ne se sent plus en sécurité avec la personne avec qui elle devrait normalement se sentir en sécurité, c'est un grand problème. Voilà. C'est un très grand problème. Moi, en tout cas, je te félicite d'avoir pris ce courage-là. Et j'appelle ça courage, pourquoi? Parce que ma sœur, je vois des femmes qui viennent et qui n'ont pas ce courage-là que tu as eu. Il y a des femmes que je vois qui sont dans des relations abusives et qui n'ont pas ce courage-là que tu as eu et qui sont prêtes, qui franchissent la mort parce qu'elles n'ont pas ce courage-là que tu as eu. Voilà. Alors vraiment que le Seigneur te soutienne dans ta nouvelle, dans ton nouvel élan. C'est un nouveau départ pour toi et vraiment que cette histoire soit derrière toi, mm-hmm, et que tu puisses vivre vraiment une vie abondante. Merci, ma soeur. Merci, que vraiment le Seigneur merci te bénisse. Merci. Mon Lopo, merci beaucoup. Et merci, ma soeur Peña, d'avoir partagé cela. Et aussi, très vite, une chose, pour ceux-là qui avaient très vite jugé cette femme sans même connaître la profondeur de l'histoire, j'espère que c'est une leçon aussi pour vous. Voilà. J'espère que vous avez appris aujourd'hui à d'abord fermer la bouche et chercher à écouter. Exactement. Merci beaucoup, ma soeur. Soyez merci, bénie. Hein. Merci. Ok, bye bye. Bye. Tozo continue na bapel na biso, pardon, trobo de la binote. So, obengi oza moulaï na ndokata siko bapel, please. Allô? Obengi, allô? 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 Bonsoir, maman. Bonsoir, maman. Bonsoir. Bonsoir. Je vous appelle depuis à UK. Laissez un peu à ordinateur voler. Une première question. Dis-le voler. Par rapport à la relation, il y a Jolicia. Ce qui Jolicia dans la relation, Moïse. Dis-le voler. Maman, dis-le non voler ma TV. D'accord. Ok. Voilà. Ok. Là, il y a tout là juste ce qu'il faut. Mike Kalamba est dans la relation Nina Jolicia. Parce que ton lendemain qui n'a pas de vidéo, Mindy Nakin, Erfa Mike Ado dans la peignée. Ton nouveau nom Jolicia, avec qui vous allez la peignée, son laisser d'ailleurs. Mais typiquement, Erma Kamuna Bangoué, c'est pas ça qui a relation, il y a séparation, il y a pas de Mike Kalamba. Ton monde a dit Jolicia, là. L'autre fille qu'on connaît sous la Yvette Kalombo, pour mon nom de Mataka qui peignait. Il y a une autre, est-ce qu'elle est mort? Je l'ai cherché à ça. Belle sœur Naïe, à solo, oui, à la relation sous notre frère Mike Kalambay. Non, bye. Yeah, bye. Yeah, je réponds à cette question et puis je réponds à une autre question bah, posée yeah, par rapport à la famille de Mike, par conseil et tout. Comme je dis tout à l'heure, je ne cesserai de répéter, je ne suis pas là pour mentir. Na Mitu et Abadou, moi, je reste avec de très bons souvenirs de Jolie, Mama, que j'appelle affectueusement. Je reste avec de très bons souvenirs de Mama, Tantine Jolicia, de Shaddai, que je salue. Jolie, c'est presque la même situation avec Yvette. Baza, Banayali, voilà, ce sont des enfants. Bakola, une autre comme famille. Baza, famille, Teyamakila, mais Bakola, la Lingwala, comme famille. Jolie, quand elle est devenue journaliste, à Karamana, à Yanaé, à Cartier, à Salanaé, des émissions et tout, pour Efoula épée, elle est avec Nastar, Moko, il y a Pays Nabiso et tout. Mais en fait, qu'il s'agit de la relation, je ne pense pas, bon, Naébité, s'il y a plus que ce que je connais, mais Naoyonga Naébité, Naébité que Jolie, elle était comme une semée qui pour moi, Azaka, moi dans cantine apparemment, mais qui était devenue comme famille, qui était devenue comme famille. Julie est quelqu'un qui ne m'a jamais créé de problème. Et j'ai eu à suivre aussi émission et à Julie. Je pense pas que Julie m'avait vraiment attaqué. Je pense que attaquer c'est trop dire. Je pense qu'elle avait, on peut dire ça, apprécié ça, oui, voilà, ma façon. Parce que pour elle, n'importe la batébélé, exposa qui m'a comme dans les réseaux sociaux, elle a donné son opinion. Ça ne veut pas dire que pour tous a bien, pour tous a la découvre bien, pour on a une bonne relation, que nous on a la salle, il faut essayer de pédir ça. Je fais quelque chose qui ne l'a peut-être pas plu. Et là, elle s'est exprimée en tant que journaliste. Elle a dit que pour elle, elle n'aurait pas, elle n'a pas apprécié que j'ai exposé ma comme monsieur sur internet. Mais Jolie, en tout cas, tu retiens la remontée naïvette que non à attaquant, parce que j'ai jusque là, j'ai pas vu une vidéo où Jolie m'attaquait. Et je reste avec les bons souvenirs que j'ai de Jolicia. Elle a droit à son opinion, elle a droit de dire que ah, n'a fait pas la quitter pour Mike aussi, dis non,
Non, là, et puis je dis, Nanzela, Mike a net yaya naé, bien sûr, j'ai rectifié tout à l'heure, parce que bande de quoi quartier, Mike a net yaya naé, donc, elle a pris la part de son yaya, elle a donné son opinion, et bref, c'est ça. Et pour répondre à une question que j'ai reçue avant ça, qu'est-ce que la famille de Mike disait quand tout ça s'est passé, parce que son entourage, apparemment, est banal pour son été. C'est que nous devons comprendre de la famille de Mike, Mike vient d'une famille polygame, son papa a plusieurs femmes, et la famille Nabango, Moutou, et Abimisa Moutou. Maintenant, la famille Nabango, c'est Mike. Et la personne qui aide presque tout le monde dans la famille, c'est Mike. Alors, quand il y a quelqu'un comme ça dans la famille, c'est difficile. Pour un membre de la famille, surtout dans le Congo, on n'a pas le Congo, va vendre sa Moutou, ou Azolié Sabango, pour l'envoyer, ça y est, boité. Même si tu as tes parents. Parce que Mike a un caractère très dur. C'est difficile. C'était difficile parce qu'il y avait, comme quand sa maman avait vu mon corps, elle s'est belle à rater. Elle s'est belle à rater. Elle a moi aussi. Elle a pas la naïe. Elle s'est belle à rater. Mais, à cela, elle a un niveau naïe en tant que maman. Mais, en réalité, il n'y avait pas beaucoup qui pouvait se faire parce qu'elle vivait de l'argent de son fils. You know? Alors, quand il y a la moi, elle a naïe quand elle a parce que c'est par là où, bah, foutez la caïnda, ou c'est par là qu'elle mange. Et je ne la condamne pas. You know? Elle a moi la naïe. Et là, réagit de la manière dont elle pouvait. Et c'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup. C'est un peu ça. La moni photo qui est nasuka parce que pour eux, ça la vie s'autour. La lave. Donc, je pense que Peniel a tout dit. Elle a bien répondu. Bato, bah, tout ça, malibakou. Merci parce qu'il y a des gens en bazar reconnaissants d'avoir insulté Peniel. Bah, s'excuser. Bah, l'oubli qui en tout cas Peniel, Lazare, moi, la malade. Merci, na bato, Dallas, Obino, Bobengi. Ça, c'est vraiment bien parce que les Kamoubaye, bah, on a une personne trop fan de Peniel, là, na Dallas. Si Peniel, Lazare, qui on y a, soit traité, Ewana, bato, Dallas, bah, l'ingé qui va bien. Peniel, il faut comprendre que Peniel, Lazare, moi, la moi, colis, na poto déjà. Pour n'ayez Instagram, Azadean en Facebook, ça c'est un. Aza pour n'ayez Instagram, ne aucha pense n'ayez le réseau yé la yé. A des fois, a yo tiki la maba koko awa. Au moins, n'ayez l'homme yé la tienne na. A to comme elle est telle, n'a été so déjà pensé n'ayez la kia commande l'homme ben Instagram, ne. A tienne n'ayez pour n'ayez mon amouza non ma bête, za problème te. Biso koutan na ba. Ba expose à bébé ta bi. Non, ma ba non, ba za protéger non ma kila yé sou. N'atteint exposé, ou an yé za blog on doki. Donc, aza conviction n'ayez. Alors, nde eloko esala ki ki to mona ki to tika non moutou quand même à 8 ans to dénoncer to dénoncer kamabe il y a quelqu'un qui nous a écrit à ici sur la bière dénonçons nous vivants na c'est qui eloko la ici bino ali to dénoncer à des tozana nous vivants boy ben ça elle a raison à ce qu'elle a il ce qui elle a raison parce que les gens souffrent dans makambo bat bazo souffrir na ba makambo makasi donc au moins la qui mutafanda la libala zo souffrir mais nous avons des téléphones en comme n'a pas mon tout et zo ça la est sous l'état téléphone est eu problème. Allô bonsoir papa et des bisous à la moi mon cousin hein pour sinon photo comme ça merci papa la maille ouais hello tiens mon aimant. Ok. Et pour j'ai un garçon, donc, nous avons histoire à la Peniel, à la réseau pour Mingbay. Zambi et Kosalam, pour une femme, 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 belle qui tout qu'on a fait pour partir à niveau ni la cause là on a assis mais dans d'autres première chose on a quelques messages on a continué là car la Mike Lambay a se repenti et a aimé la que justement il a jamais zalipé parce que le passé dit au bête en plus il vous a mal en qui ils allent comment que ça choque là il choque non parce que là j'ai un garçon vraiment tout la va te bêler j'ai besoin de va tout mettre à sauce musique dans l'église. Donc, vraiment, Peniel, la bonne chose vraiment la vie na yo. J'espère que vous pas les mots bien. Vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, la dame qui tout qu'on a pour adopter moi la chada et la bébé la vie soit montée, on va adopter bien, donc vous avez un chat. Donc, gagnez vraiment ton corps,
donc, pour ça, merci beaucoup. Voilà la bonne soirée, la Katina. Merci beaucoup, c'est amusant. Je suis trop amusant. Allô? Oui, maman. Il y a toujours la dame, maman, la maille. Tu n'as pas mis sur speaker. Non, non, téléphone, ils ont sur, ils ont vraiment chargé. Et comme ils ont ça, et comme on n'a pas mal tout. Moni, et au salaté parce qu'il y a beaucoup de gens en ligne. Sorry, maman, toi, yo, parce que téléphone. Ok. N'a pas toi qui chasse. N'a y a Europe. N'a y a bat. Ok. Tu es parti? Jesus. Ok, Bokata Tabo Bandela. Non, ça c'est appel. Yeah, c'est Kinshasa. Bokata Tabo Bandela, pardon. Pour là, tu ressouffres pour rien. Bon, dans la soki mninga pas en ligne, bo yo qui a tapé l'intervention mninga. Oye, pas au petit kata au kubaka. Jesus. Ah la 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 la. Finalement, toko mona to kataka émission. Ok. Allô? Allô? Yes. Tata poyo nde na bandaki o luka nzambe na bibele. Yo zana na cho na speaker. Tata poyo na ngai. Allô? Oui. It's okay, tata po, wait a moment, po, but, yes, nzambe na ngai. Tata po makam no ya bapel we yum to ya mabapel ngai na zwi boma na zo chame batu bazu bapel zo kota tata po we voilà allô allô yo ki na siko si konde to yo ka bien voilà ok ben ya fesho mo au na to apolo jai ok thank you na ni na pa do pa si na la na mai po kristi. Parce que dans Madame Bolo, il est parti, donc c'est la diversion, mais la diversion, mon côté, n'est qu'il boit broad, ok? N'est qu'il boit expliqué. On va dire après A, B, C, Toyoki, ok? La même chose qu'on a apologisé, n'a pas fait quand il n'a pas demandé de payer pardon, tu vois? Parce que dans Madame Moissi, écrit violence, et là, et l'autre, on a dit, ma fonction, on a dit, ma bâtard. Voilà, donc, allô, tu as trois appels à Souka, saute aux yeux. Oui? Bonsoir. Et
Aucune femme ne fait que de violence de la part de son mari. Et même mon mari, je me rappelle, n'a pas été flayé. Parce que mon mari avait envoyé la pénienne. Et Naïm n'a pas été de prendre le frère mal. Parce que pour moi, c'était quelqu'un qui était pire en fait. Et là, je suis vraiment choquée. Et Dieu merci, vraiment merci à mon ancien genre de Boyakura. Parce que jamais qu'on a la chance de faire la pénienne par an. Pour tout ce que j'ai eu comme pensée dans ma tête envers elle, j'ai appuyé dans mon plat pour que ma amie de la tête que la juge a taillé sans connaître la vieille cause et qui s'est dit à t'aider. Mais pour moi, en tant que femme, il ne faudrait pas que l'autre robot ne puisse pas la voler. Chacun doit être tué par rapport à appuyer sur la pensée auprès de sa femme, de son ex-femme. En tout cas, il y a une justice, il y a une tâche lumière partout. Sa femme, voilà, maman, merci, parce que là, on ne peut rien faire. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Oh, vous allez na biso awa. Oh, vous me qui vous partagez biso. Vous me qui vous partagez na biso moment. Oh, moment mon corps difficile. Moment mon corps émotion. Moment mon corps. Oh, ça li biso vraiment bien. Il fallait qu'il peigne quand même à se défouler pour azala bien. Juste un mot de la fin. Oh, peigne la coco pisse na batu nyonso. Malobani no peigne la coco pisse na batu nyonso parce que elle n'a rien dit. Oh, et ça, bah, point fort, il fallait qu'il quand même abîme ça parce que bah, traité de tout, immaturé, impoli, et moi, la moro, boe, 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 zonga, qui est kenda, qui zonga, qui parce que, toye, bah, qui te bisonne, sort, toye, bah, qui te repenien, en doit vivre ma kamwa, boe. Toujours dénoncer, toujours continuer, kaka, qu'on dénoncer violence faite à la femme. Et surtout que tu t'es dit, tu es un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, tu ne peux pas que tombe la liboko non, au coquille bête, ça arrive dans la chambre de force, elle est l'eau banning sur. En tout cas, moi j'avoue devant Dieu, Nathan Mukolomote Nandoto, Mobal Nana Beta, ma simbanga nanzoto, atanandoto, ato salindeni, or ta le pire et ce non. Abeta ratena na mona tetu po e mo sala mo be ba ningiso ta mo eloba lokoso me rien du tout mais ba violence a obeta mo sino jusqu'à ce que comme c'est na pas moi ba ndiko saigner jusqu'à ce que aye au perdre na vie na e et puis il y a na maloba o ya bimisa o toza na mo parce que a na komo ba tant que famille que abimisa loba que yo na ko boma yo na yo na mwana bo kukufa lelo ta mazo bete na rajwana. Pourquoi un homme de Dieu au coquille au sala et l'eau à bruit frère Marco Soto Linga Kapo n'a la mbi Mike depuis longtemps, depuis Nazaki na Kinshasa, c'est un frère na Linga Ka, il y a des gars. Mais Makambo Aboye, il faut quand même tolo belango. Un mot de la fin au peigne la coquille au bas à propos y'a nyonso na ba intervention na nyonso yo et comme la yona, moi y'a souka par rapport y'a live oyo. Qu'est-ce que tu dis? D'abord, premièrement, merci à toutes les personnes. Oh yo, bah, 8 ans de venir m'écouter, qui ont pris le temps de venir écouter cette vidéo. Bayo Kapengai, je vous remercie. Et surtout à toutes les personnes qui n'amitié manabango, au bazo regrettait peut-être de m'avoir préjugé, naba au babengi pour s'excuser. En tout cas, de tout cœur, je pardonne tout le monde, même Mike, là où il est, tout est pardonné. Mais. Ça ne veut pas dire que parce que tout est pardonné, on ne peut pas en parler. Likambo, il faut que bomba, il faut que il faut que il faut que et là, il y a le monde qui a fait que. Attends, je prends le micro. Que bomba, et là, il y a le monde que notre culture continue à avoir dans ma kamba boué. Et ça, salima, personne n'en parle, il n'y a pas vraiment de justice pour la violence qui est faite à la femme. Je me rappelle, c'était quelques semaines ou quelques mois avant que l'attaque qui m'a été faite
pendant ma grossesse et ça, mais il y avait une soeur que j'avais vue photo naïe bandaï qui circulait sur les réseaux sociaux. Je crois son mari à l'époque avait la ceinture et à Kabila. Il était dans la ceinture à Kabila, il avait tellement tabassé. Tout le monde avait vu les photos sur Facebook. Patignon sur Valérie, famille naïe, buisson monsieur sur peut-être au Bosani et tout ça. Mais je suis sûre que sa mère là où elle est, à Bosanité. Son père là où il est, à Bosanité. Pourquoi, you know, dans notre culture, la sagesse d'une femme, la maturité d'une femme doit être synonyme à endurer de bêtises, à supporter des choses insupportables. C'est pas ça la sagesse. C'est pas ça la sagesse. Et aujourd'hui, je n'aimerais pas non plus que les gens me voient comme victime. Elle est victime de ça, elle est victime de ça. Je ne suis pas victime. J'aimerais beaucoup plus parce que j'aime pas comme mon abongo. Parce que quand je porte ta casquette, tu es victime. Non, mais mon année, tiens, c'est presque une faiblesse, quoi. Je suis pas victime. Ne m'appelez pas victime. Je suis pas victime. J'aime me voir comme un vase. Un vase par lequel Nzambe, ou bien Canal Moko, Nzambe peut-être a permis que Makambaboye, c'est parce qu'il savait que j'allais avoir le courage de parler. Il savait que j'allais avoir le courage de partir. Il savait que j'allais avoir le courage de me relever. Il savait. Et c'est une conversation importante pour notre communauté. Makambabo, il faut et ça doit s'arrêter, ça doit cesser. Nos mamans qui donnent des conseils. Je sais que ma conseil pour que ça aille à ma balle et tout. Je pense que sur 10, 6, il y a TikTok et Lengi. Donc vraiment, il a vraiment un sens. Mais arrêtons de vouloir propager Kangamotema. Je félicite ma mère que je salue, que j'aime beaucoup. Elle a été un pilier. Elle a été une force pour moi. Oh, c'est la première fois que je suis devenue émotionnelle quand je pense à ma mère. Parce que dans mon ramion sur les bandes, il faut saluer ma mère. Quand j'ai eu à parler avec elle, j'ai dit, maman, ça ne va pas. Et donc, ça c'était avant que Zion ne naisse. Là, on a fait un kitaki, il m'avait dit, tu penses faire quoi et tout ça, tout ça. C'est que maman, ça ne va pas. Je pense que l'ikambango, tout ikambango. À Kinshasa, quand elle a vu mon corps, pour amener qu'un mot de vivre, à l'ouba, rien. Dans ma vie, je peux compter au bout de doigt combien de fois j'ai vu ma mère pleurer. Ma mère ne pleurait jamais devant nous. Ma mère allait dans la libosse, on a dû sauter. Mais ce jour-là, maman a vu sauter en grand. Mais à l'ouba, ni O, ni A. Par rapport à tout ça, ni Peignel reste, ni Peignel part. Mais quand on a dit ça, maman Bissot, pendant qu'elle a dit ça, maman, je ne pense pas qu'il est possible. Ma mère, elle a dit quoi? Elle a dit que c'était bon, elle a dit ça. Elle a dit que c'était Peignel quand elle a monté. Elle m'a juste dit, Peignel, tu es ma fille. Je te veux en vie. Tu fais ma fierté. Peu importe où est-ce que tu es ma fierté. Tu es ma fierté. Oh, nous sommes ça. Nous te soutenons. Ma parent, monsieur, notre maman. Et nous prenons aussi le temps de changer un peu nos mentalités. Dans le but, t'es-toi encouragé par la nabissot dans le mal et tout ça. Mais arrête-toi un peu avec cette notion-là. Moi, c'est comment mon thème. Moi, c'est ça la bouée. Moi, c'est ça la bouée. Moi, c'est ça la bouée. Tant qu'on ne lève pas nos fils avec la notion du respect de la femme. J'ai deux fils. Oh, bah, monsieur, je peux pas couper pour le voir. Non, bah, pour ta là, live, oh oui. Et je serai fière du jour que Shaddai verra ça et qu'il comprendra tout. Parce que je ne suis pas là en train de vouloir détruire la réputation de son père. Je suis là pour que Shaddai voie par quoi maman est passée et par où maman a commis. Ma mère, malgré ça, elle a pu faire ça pour nous. Ma mère, malgré ça, elle a pu se relever. Ma mère, n'inga viva boya boema comme ouais. Ça veut dire qu'il n'a pas mon colon en bas. Il faut peine à redresser un peu comportement dans la maison. Enfin, mes fils, il faut que briser les liens. Il y a des liens qu'on brise on a ma bonne délire, mais il y a aussi des liens qu'on brise dans le dénoncement. J'adore en voyant les choses que maman n'a pas voulu supporter, fera un effort de ne pas répéter. Et je suis fière de ma personne, je suis fière de la femme que je suis, et je suis encore plus fière de la femme que je deviendrai dans ma Bokwanza. Amen. Je remercie tout le monde qui a pris le temps de m'écouter, tout le monde qui a compati. Mais je demande aussi la même compassion, Anna, qu'on apprenne à partager compassion, Anna, Boulimo, Anna, avec Bande Konabiso, Bama, Fenabiso. Ne soyons pas trop pressés pour la juger, Moutou. Ne soyons pas trop pressés pour la tirer des conclusions sur des situations qu'on n'a pas vécues. Que Dieu vous bénisse. Merci énormément d'être là. Merci. Vous
Voilà, merci beaucoup, merci à la Batonios, merci à l'abonné, à moi Moulopo TV, pour continuer toujours pour s'abonner massivement à moi Moulopo TV pour. L'histoire est cause de la force. Comme ça, non, puis à Binopole, et l'autre, ça, il est live, ça, depuis 13h, 16h, 4h, hein? 3h. 3h, dit-on, il y a live, oh, tala, bah, te belé, bah, j'ai live, oh, hein? Binopomo. Donc, on a pas pambola, bino to équipe to make au long le long mokezaki, awananzela, poto mouvant, poto koti kalakane, loko mon côté. Peniel, que Dieu te bénisse, sois forte. God is in control. Nous allons protéger yona banana yo. Et surtout que si tu y es bouillé. Parce que tu as marché dans mon tende, papa, on a dit tout à l'heure, tu ne peux pas avoir posé finalement, tu es faux à la bibounde, tu garde fou ni nyoche. Mais biso tu es bien que garde fou, tu as fait ça, yesu. Oh, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, Mote ma bete na frère Mike azaki nzela oyo kenda ki po yo vivre ma kampo parce que il y a deux gens on va continuer ko veto zo mon espèce ba sana ndem soazo kende akufi misusu bazo za ba problème kili kili muto azana courage o lobate a pas ka bongo de maman vous souffrez dans le mariage à cause ya ba violence conjugale oyo muto azo tellement lobate bol ba kaka ngam tema libala ezala ka bongo abomi libala oyebite pourquoi muto atiki libala nani na ko nzima azala ke Anzima que moi, nana ke libala bo divorcé. Et puis, yo moko, tu préfères rester avec les enfants ou divorcer. Personne. Personne alors. Nous souffrons. Ceux qui nous ont souffri, bima. Bima au kokate. Tu sais, ça va pas pour maman bala te. Divorce, c'est ça, ma lamouté. N'a pas parmi bâton en quoi. Divorce, c'est ça, et loko moko ma be ou escalose à la bien de la vie. Parce que, n'a pas fruit à divorce. Nazu bédication ndambu ndambu mais loko la nzamba yebaki na nzamba za na bon monde ayebo sala ke na yo le kana groupe mo bédication e fandi parce que nga ba na bédication tata moi c'est noko koko mama ki boyi ba fi ya bon so bédication bo so toza na ba no simba simba na maboko mais Dieu n'a pas permis na tambo la vie na maboye et puis nazu ki sa la nzambe ya moti lelo juste ici nzamba seki sa maka merci à toi mon beau monsieur mon mari que j'aime beaucoup mon mari que j'aime beaucoup it's okay mon mari que j'aime beaucoup que Dieu te bénisse abondamment zala ka bon mon papa zala ka bon mon niveau soko lundi mon encore peut-être basi bazano okoko ningisange lo mo aboma et sali merci à ta président Kass Herman Kassomo. Merci beaucoup. L'assistance na yope. Merci na batu nyonso au balandi biso. Bo s'abonner massivement. Nous on vous aime beaucoup pour awa wanati kalomba bapel en coulisse pour déjà boyeza sous mon boulot. De gros bisous na bino nyonso bo continuer tozo. Donc, bimise talent, on a pas tout bête, on a sala, bon, on a ciblé, ba jeune, ba talent, za katina bango. En tout cas, bisous, abonnez-vous, meilleur vie, na ba maman, meilleur vie, na ba papa, meilleur vie. Merci encore pour vous. Plus de ceux qui de 13 000, ceux qui combien, ba tout baola na ligne, voilà. Bon, ça l'ima bien. Nzamba pambola, bino, bisous. Merci. Bisous, bye bye.